mais je viens de comprendre, enfin de voir ton t-shirt est magnifique. Est-ce que c'est un vrai t-shirt suprême? Mais non, alors je t'explique où c'est fait. Bah vas-y, parce que quand même expliquer. D'abord, bonjour. Bonjour, bonjour. On peut dire coucou à au petit viewer, au petit loulou, tout ça. Coucou. Bah ça, il y a un magasin sur Venice Beach. Alos, c'est un magasin spécialisé, tu choisis toi-même tes patrons, c'est-à-dire que tu peux assembler des trucs qui sont totalement en fake, donc tu peux mélanger un truc avec Adidas, avec machin. C'est légal ? Ouais, grave. Alors non, pas du tout. Ah la boulette. Ah, attends. Après c'est pas suprême, c'est supième. Oui, mais justement, du coup, mais je peux vous dire, il y a du monde dans la boutique, hein. On fait la queue dehors, elle est super grande la boutique, hein, super grande boutique. Ah ouais. T'as tous les fans de gaming qui vont, t'assembles ton patron. Choisis par exemple, tu vois, il y a un truc, tu vois, un peu... Pas mal, pour qu'on puisse mesurer la taille de la douille, c'est combien le t-shirt? Eh bien justement, je vais te surprendre. Non. Parce que tu as c'est quand on achète plusieurs, quand on achète à partir de 3, tu payes uniquement 10 euros cette partie-là, c'est-à-dire le t-shirt neutre, naze, enfin tout comme il est, et, enfin naze, oui, la qualité c'est quand même pas, bon bref, et après tu payes 10 à 15 euros de plus pour mettre le patron. Ok. Le truc, c'est que tu peux faire un truc, plus t'en achètes, moins tu payes. Ah bah oui, bah bien sûr. Donc moi, j'en ai fait une dizaine, m'en suis tiré pour 200 boules. Attends, je vais vous dire, je bosse quand même ici, je suis là pour l'entertainment, donc je vais venir avec mes trucs de Los, avec mes assemblages, j'allais voir des trucs de folie avec Adidas, j'ai fait faire des trucs avec Adidas, vous allez mourir de rire. Là, je les ai fait au mois de janvier. Ah, donc c'est très récent. Là, tu l'as déjà lavé ? Celui-là, ouais, 3 fois. Okay, non, mais pas. Pour voir un peu l'usure, non, tu vois, je veux dire, c'est pas... C'est vrai que ça fait vraiment autocollant, stickers un peu, non? Non, mais ça n'a pas bougé, j'ai tout essayé, je marchais dessus et tout, c'est incroyable, ça n'a pas bougé. Très bien. Mec, il a marché dessus. Bon, donc, bref, voilà. Du coup, comme vous l'avez vu, on a Pépé avec nous. Hein, non, c'est voilà, on a Pépé, on a Maximilian. Pépé qui va nous parler de... Non, hey, non, ne dis pas. Chut, mais c'est du lourd. Maximilien qui va nous parler de jeux vidéo. C'est son métier en premier lieu. Pas du tout. C'est le vendredi, c'est la musique. C'est la musique. Oui, et en plus, il y aura la musique chacun après la récap. Ouais. Évidemment, à ma gauche, j'ai toujours Super Zulu qui. Arrête de m'appeler comme ça. Tu le fais exprès, Xavier, ou quoi? Mais non, mais. Super bien joué. Mais Super Zulu, c'est ton pseudo, gros, ouais. @SuperZulu sur Twitter. T'appelles Zerator SC2 à chaque fois que tu l'appelles? Bah non. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais alors pourquoi tu changes de pseudo? Ça m'énerve. Bah non, je m'appelle Zulu. Appelle-moi Zulu. Ok, Zulu. Zulu qui m'a dit qu'il voulait changer de place, mais peut-être on fera bientôt, ce qu'il en a marre d'être ici en fait. Ouais, voilà. J'ai envie de changer un peu, j'ai envie de changement un peu dans mais ta c'est vie. Pas, la semaine prochaine, il sera dans notre studio si tu veux. Allez, on a John Pay qui est avec nous. Et salut. Pay le boss qui est là. Cette semaine, tu as été résident. J'étais locataire. Permanent. J'ai vu que toi. Ben oui, c'est ouf. Tu brillais, il y avait un truc. Pourtant, t'avais pas le crâne et tout, mais t'es en plein dedans, quoi. C'est incroyable. Écoute, j'ai coupé du coup le truc. Je suis quand même content d'être ici, mais à chaque fois, on me dit putain, il manque une place. C'est parce que tu parles brésilien. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas beaucoup de. Enfin, on a Max qui est toujours aux As, d'or, à Cannes. Hugo. On a évidemment Hugo qui est parti pour le speedrun. J'y suis demain. À Barrière. J'y suis demain. Moi, j'y vais. Je vais passer pour les encourager. Un petit peu jeter des pétales de rose, des trucs, ce qui leur manque, quoi. Un peu de talent, d'humour et d'amour. Et je vais donc leur balancer ça pour que tout se passe bien au speedrun de Barrière. Moi, j'y serai aussi. On a une annonce. Les grands esprits sont venus nous voir. Avec Zulon, on dort ensemble. Et si vous passez pas loin de la biscuiterie de Berg, franchement, les petites gaufrettes de Berg, c'est un délice. On est quand même pas en train de passer commande à la commune. Un peu. Mais c'est une des spécialités de la ville de Berg que vous connaissez parce que vous avez regardé. Berg Movie. Dunkerque. Chez les ch'tis. Et la biscuiterie de Berg, ils font des petites gaufrettes là. Oh là là, au rhum et tout, c'est un délice. C'est quoi la spécialité de Dunkerque? Il y en a une ou... La bière. Oui, tu nous avais fait... Ah d'accord. Ça dépresse. Pas mal, pas mal. La dépression. La dépression. Oh là là, mais un peu d'amour. De l'amour. C'est horrible comme va. C'est marrant. C'est de l'amour. Non, mais la spécialité culinaire. Culinaire. T'en avais parlé dans une vidéo. Tu l'avais fait en live. Tu l'avais dit ce que c'était dans un live. Pour Dunkerque. En fait, le... Biscuiterie, la Dunkerquoise. Incroyable. Est-ce qu'on peut commander sur le site ou pas? Non mais ça va, on est en émission.
J'ai le droit de poser une question. Tous les jours, il a faim. Non, non, franchement, si vous passez. Non, mais ça va aussi. Je suis pas trop bouffé. Mais... On peut s'inscrire à la newsletter si tu veux. Si vous passez à Berg, ou je crois que c'est Berg ou Quadipre, je sais pas exactement. Mais si, c'est adresse, c'est derrière la gare de Berg. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Il y a une biscuiterie. Les gaufrettes, elles sont trop, trop bonnes. Voilà, je vous le conseille. Si vous y passez pas, bah, vous en prenez pas. Promis, voilà, c'est la vie. Par contre, la spécialité gastronomique de Dunkerque, je l'ai pas. Par contre, je sais qu'en Flandre, dans le nord de la France ou Belgique, voilà, c'est pot de chevelèche. Le pot de chevelèche, c'est absolument dégueulasse. C'est quoi Alors, le pot de chevelèche, déjà, c'est le mot est moche. Je suis d'accord avec toi. Tu as l'impression que quelqu'un le dégueule. Il y a des trucs super bons. Ouais. Mais ça, je n'en doute pas. T'as pas de chevelèche. Bah non, tu prends. Pas de chevelèche. Hey, c'est pas moi. Mais ouais. Ça a l'air bon. Alors en fait, c'est de la viande en gelée. C'est trois viandes en gelée. Okay. J'ai plus exactement le. Du pâté en croûte. Ah non, moi ça me va. Non, je comprends rien. Mais ça se mange froid. Attends, moi qui suis normand, moi j'ai des tripes à la mode de Caen, je peux te montrer des photos, c'est quand même un peu. Ah, moi ça m'a pas trop motivé. Par contre, il y a un truc qui est délicieux. Ça me va. Et si vous venez à Lille demain. Allez vous faire un Welsh. Allez dans une petite brasserie à Lille, un Welsh. Un Welsh, c'est une tartine, du jambon, du fromage fondu dans de la bière. Et c'est un délice. C'est un délice, ça s'appelle le Welsh, avec un œuf dessus. C'est incroyable. Calories, et ouais, bah ça, Welsh ça tombe dans ton ventre, et après, ça transperce ton ventre pour finir dans les chiottes, et tu le sens passer. C'est classe. Mais franchement, je rappelle qu'on est dans la même chambre. Temps, mais... Franchement, c'est un délice. Tu devrais faire un truc sur la gastronomie, j'en ai déjà mangé, parce que franchement, t'en parles aussi bien que gaming. Quoi. C'est, moi, ça me... Mais voilà pour le tour d'horizon. Merci, Binaire. Mais oui, dimanche, Carnaval de Dunkerque, c'est le main event du carnaval, enfin la bande de Dunkerque, main event du carnaval de Dunkerque. Ouais, ouais. Voilà, si vous faites le speedrun le samedi, allez passer une tête au carnaval de Dunkerque. Non, attends, mais on va le faire. Voilà, c'était exceptionnel. Allez, on va le faire avec Pépé. On va le faire, on va partir, allez, en carriole. En carriole. On le fait. Cette semaine était exceptionnelle pour moi, j'ai fait 4 récaps sur 5, et dans les 4, il y avait Zoulou, et dans les 4, il a parlé de Dunkerque et du carnaval. C'est vrai. Et du fait qu'il avait faim. Et oui, bien sûr, évidemment. Qu'il avait faim. La classique. Allez, on va commencer directement cette émission par l'actu brûlante des réseaux sociaux. Oui, je suis là. Et on commence, oh, bien joué, on commence par moi-même, voilà, c'est pas très poli d'ailleurs, mais c'est le runner qui est comme ça. Normalement, c'est Max qui présente. On va parler de Solary qui ont fait une petite annonce hier. Petite annonce ou grosse annonce, ça dépend comment vous suivez le game. Ils recrutent tout simplement une équipe Rocket League. Donc voilà, pourquoi pas un nouveau... c'est quand même un jeu qui refait un peu parler de lui. Enfin, quand il est sorti, il a beaucoup, beaucoup fait parler de lui. Après, il y a eu peut-être une petite période de baisse. Puis après, il y a eu de nouveau la hype, notamment avec, je crois que c'était la finale de la Coupe du Monde. Il y avait quand même Vitality qui a perdu d'un cheveu. Et puis, honnêtement, c'est quand même un... Moi, j'aime pas trop le jeu parce que je suis éclaté. Mais honnêtement, quand tu vois des très très gros joueurs, ouais, c'est impressionnant. Mais ça remarche pas mal en ce moment, sur Twitch et tout. Ouais, ça 80 000 viewers récemment, j'ai vu sur leur chaîne Twitch officielle. Ouais, c'est bien. Mais ça marche bien. Et voilà. Ouais, alors moi, je suis désolé. Je pense que c'est depuis que ça a été racheté par Epic. Quoi. Bah, je sais pas s'il y a une corrélation. En vrai, j'avoue, je suis pas du tout la scène. Je regarde des fois avant de me coucher Gotaga à 6 h du matin. Qui passe diamant, quoi. Mais vraiment, ça se limitait à ça, quoi. Donc j'avoue, je connais rien à la scène. Je sais même pas si les joueurs. Bon, les joueurs sont forcément bons parce que sinon ils n'auraient pas été recrutés. Je sais pas, j'avoue, je connais pas leur. Je suis un petit peu parce que je joue au jeu, mais les joueurs n'étaient pas très connus, mais sont apparemment très bons. Donc voilà. Après, normal. Enfin, on sait que Solary en général recrute des bons joueurs. Ouais. Après, je sais pas si. Ils sont top 100 apparemment. Donc, si ça. Enfin, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'investir dans une équipe pro? Oui, parce qu'en fait, le truc c'est que. Ça c'est pas que ça vaut pas le coup, mais je veux dire ça coûte pas la même chose en fonction aussi du jeu, c'est à dire qu'une équipe League of Legends top
enfin top équipe League of Legends, ça a coûté très très cher évidemment, ouais. Parce que bah voilà, forcément c'est un jeu qui est peut-être qui fait plus de vues, qui est beaucoup plus posé, en plus il y a des règles, etc. Alors que par exemple ils ont Gluttony, je pense pas que j'y connais rien, mais je pense pas que ça leur coûte si cher que ça. Mais le mec a quand même un rayonnement mondial, tu vois, sur le jeu, ouais. Et du coup l'image est quand même très bonne, tu vois, c'est ouais. Ils ont le meilleur joueur français, meilleur joueur européen. Et je pense pas qu'il il le paye 20 000 balles par mois, tu vois, c'est genre... mais il lui permet d'aller faire des tournois, de vivre de sa passion et tout, c'est déjà... C'est déjà très bien. Donc voilà, il y a ça, et puis je pense qu'une équipe... Nous, par exemple, chez le Stream Esport, on avait une équipe Fortnite, et à un moment, on avait une équipe Rainbow Six, et bah, c'était pas forcément le même coup, parce que bah, sur Fortnite, il y a plus d'engouement, ça marche comme les sports traditionnels, hein. Le football, ouais. Un joueur de football va coûter plus cher qu'un joueur d'handball, qui va coûter plus cher qu'un joueur Je me questionne sur la rentabilité, je sais pas exactement comment ça fonctionne justement, mais genre par exemple un Gluto, ouais, il y a des compétitions qu'il va remporter, qui certainement va cash out, peut-être que Solary se sert à ça. Non, je crois que Solary prend vraiment zéro sur les cash. Comment ils font du coup pour être rentable à ce niveau? Après, c'est aussi l'image, hein. C'est de l'image. Après, ça permet aussi de... Quand t'as un maillot d'un mec qui est dans les tops et qui est devant 100 000 mecs à l'Evo, ouais. Bah, quand t'as le logo de Logitech dessus, c'est le sponsor, il va payer pour ça. Okay. Il va pas payer pour le mec qui fait 3e en Momolan, tu vois. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est le sponsor est content de sponsoriser un mec qui est fort, quoi. Okay. Et c'est surtout comme ça que ça marche. Pour le merch aussi, ça fait vendre des maillots. Quand t'as Jean-Patrick 3e de Momolan, t'as pas envie d'acheter son t-shirt. Alors que quand t'as, Gluto qui est 3e à l'Evo, bon, t'as peut-être un peu plus d'envie de porter le t-shirt et d'acheter le merch, quoi. Donc il y a plusieurs leviers. Après, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Ça fait quand même, plus de deux ans qu'ils ont commencé. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font maintenant. On va passer à une petite news assez historique. Rivenzi n'est pas là, mais voilà, apparemment, on a retrouvé le tombeau de Romulus à Rome. Voilà, c'est des fouilles. C'est la Louve ? Non, Romulus, c'est pas la Louve. Romulus, c'est le gamin qui... C'est, après, la Louve, il y a de la Louve dedans. Romulus et Rémus, c'est censé être les fondateurs de Rome qui ont été élevés par une Louve. Mais c'est pas la Louve, non. Ils ont trouvé le tombeau de la Louve. Mais, j'en sais rien, moi. T'es pas loin. Donc voilà, ça a été découvert ce 21 février. Donc en fait, bah, c'est aujourd'hui, tout simplement. Et apparemment, ça a été un endroit qui avait été déjà... qui était connu, c'est pas genre ils ont creusé, il y avait un mec du BTP et hop. mais plutôt intéressant. Alors là, pour l'instant, vu que ça vient d'être debunk, on peut dire. et il y a pas forcément, enfin on n'a pas forcément plus d'infos, mais on verra sûrement, enfin ça va sûrement s'étoffer et tout. Exactement. Après Romulus et Rémus, de base c'est censé quand même être une légende, donc ça peut être, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est un tombeau. C'est un mythe, quoi. Voilà, c'est ça. Bon. C'est, ouais. Après tu dis c'est pas un employé du BTP qui a trouvé le truc, mais il me semble maintenant quand tu fais, en tout cas pour les gros projets ça doit être le cas, les gros projets d'immobilier etc, ils font des fouilles archéologiques avant de... Tous les chantiers normalement, voilà. Dans le BTP t'as toujours, il me semble, hein, mais des fouilles archéologiques, alors c'est pas forcément des trucs hyper impressionnants etc, tu vois, je crois que c'est obligatoire. Parce que c'est historique, on ne sait jamais ce que tu peux trouver sous terre, quoi, tu vois. Parfois, tu trouves des broutilles, mais ça reste des broutilles. Ouais. Et voilà. T'as le seum, tu veux faire construire une maison, t'achètes un terrain, ils font une fouille, et t'es là. On a trouvé le tombeau de Ramsès. Ah, t'as vu Poltergeist, ils ont construit la maison sur un ancien cimetière indien, ils meurent tous. Hein. C'est vrai que c'est pas conseillé. Pour l'instant, c'est des spéculations, ils évidemment, ils sont en mode. Apparemment, les gens ne sont pas d'accord dans le chat, apparemment. Pardon, c'est faux. Qu'est-ce qu'il a, les petits loulous? Bah écoute, il me semblait, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé le conditionnel. Ils ont dit la loi en France, c'est la loi en France battue respectée. Donc en effet, tu avais raison. Je pense qu'il y a une loi là-dessus en France, moi aussi j'en ai entendu parler. Mais normalement, tu es censé vérifier quand tu commences les fondations s'il n'y a pas quelque chose que tu es en train de détruire qui est historique. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est respecté ou pas. Genre le tombeau de Romulus, quoi. Ce serait con. Par exemple, et de la Louve, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Bien sûr, bravo. Bravo. Mais de rien. Bref, voilà, affaire à suivre. Une autre affaire à suivre, ça dépend de vos activités, messieurs. C'est tout simplement les futurs films, peut-être, de la fille de Steven Spielberg, qui veut se lancer dans le porno. elle a fait ce petit statement. Je sais qu'il y a Menro qui était... C'est une vraie histoire, ça ? Qui a hurlé
Dans l'open space. Mais elle, je crois qu'elle a dit, c'est pas de la pornographie. Oui, c'est pas vraiment c'est, ça. Tu sais, les peep shows, les trucs un peu de chat, des trucs comme ça. Oui, elle a dit carrément, je veux être libre avec mon corps, c'est ça. Je veux assumer mon corps tel qu'il est. Je crois que... Et je veux aller de base en je gros. Crois que c'est de la production, moi, genre de, en tant que productrice. Non, tu vois. Max. Là, oui, c'est non, au non, centre non, devant non, la mais... caméra, quoi. Actrice. C'est quoi son nom pour un pote Je sais pas. Okay. C'est Menro, tu as j'ai surtout infos. Été surpris, effectivement. Elle s'appelle Michaela et c'est sa fille adoptive. Ouais, c'est sa fille adoptive. Ah bon. Mais je crois que c'est pas les films de, c'est ouais, pas non, un film de boule, c'est la production de charme, elle a dit. C'est voilà, production, enfin de ce que j'ai lu, c'est production de charme et voilà. Striptease, etc. Striptease. Mais bon, si besoin, enfin voilà, tu vois, c'est genre, c'est libre quoi. Quand on y met le doigt, le bras passe à vête quelquefois. Ok, allez. Et on va. C'était pour moi, c'est gratuit, j'ai honte, je sais que c'est. Et on va se terminer avec. Vous vous souvenez de et la. Après on va se terminer. De la fameuse bataille arrive. Entre ce vigile qui avait asséné la claque. Ah oui. De l'année à ce petit, petit malandrin. Hein? Eh bien, il y a eu un déphaseur qui ont fait un petit montage plutôt stylé. Ah oui, on l'avait vu. Oh. Attends, je me souviens pas de. C'est moi, je me rappelle. À Paris, ça non, non. Il y a un indice sur. Mais ça veut dire recul. Ah oui. Oh putain. Game. Parce qu'en fait ça c'est que la première partie. En fait la première partie le pousse là. Et en fait après il revient et il lui met une claque. Ah, là il le pousse juste. Ouais mais là c'est juste pour le montage mais pas mal quand même. C'est bon. Voilà bref c'est je sais pas c'est marrant. Suivez les déphaseurs, je crois qu'ils sont deux. Ils font des petits trucs. Ils sont deux. Sains. Je crois qu'ils sont deux. Ouais. John Paye. C'est à toi, mon ami. C'est à moi. Alors du coup, le premier poste, c'est un surfeur qui s'est rendu compte que... Il n'avait plus de planche. Une journée. Non, non, il s'est dit, putain, aujourd'hui, j'ai un peu peur de surfer. Et il a surfé uniquement 10 minutes. Il est revenu le lendemain et il a mis son drone. Et on peut afficher. Il a mis son drone et là, on voit quoi ? La mer est infestée de requins. Oh bordel. Et des requins ça ? Ouais, c'est des requins. C'est des requins. Très, très loin, et bon après le mec, il savait où il était. Hein, il est au point où il y a le plus d'attaques de requins au monde. Hein, d'après son truc. Mais mais voilà, il a bien senti le truc et le lendemain, bah il y avait tout ça parce qu'apparemment il y avait beaucoup de d'appâts pour les requins, enfin de nourriture pour les requins. Donc du coup, il s'est des surfeurs, pas quoi. Trop régalé. Des surfeurs, c'est ça. À part les surfeurs. Mais ouais, en fait, de loin, on dirait que c'est des anguilles. Mais c'est... tu vois, il y a un truc pour les surfeurs, un truc que j'ai jamais compris. Là, on va. Je demande en même temps au chat ou un truc comme ça. Moi, j'ai toujours vu des gens qui étaient des surfeurs avec des combinaisons noires. Ouais. On sait très très bien que quelquefois, les requins vont attaquer parce que ça ressemble, dans certains endroits, à des otaries. Elles ont quelle couleur ? Elles sont grises. Et bah, tu vois, moi, on m'avait pas dit ça. On m'avait dit que c'était. On m'avait dit quelquefois la couleur. Et j'ai jamais compris pourquoi. Parce que dans la nature, tu vois, souvent le rouge, c'est un truc pour repousser, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on habille les gens en noir au risque peut-être. Moi, je ne sais pas quelle est la c'est réponse. C'est parce que le requin arrive par en bas et le mec est sur sa planche. Mais oui, mais quand tu vois en général, c'est ton truc. Tu vois, c'est la planche et tu fais ça. On a l'impression. Parce que moi, on m'avait dit que c'était parce que c'est justement une tortue. J'arrive pas à connaître la vérité sur ce truc-là. Moi, on m'avait dit que c'était les requins. Ils voient pas les couleurs, non? Moi, je sais pas. C'est ça le truc aussi. Je sais pas. Justement, les taureaux voient pas les couleurs, par exemple. Je sais pas s'il n'y a pas une question d'attirance avec aussi une couleur ou un truc comme ça. Je me pose la question. Je vais toujours poser la question. Et peut-être que le chat le sait. Ou... Là, je sais pas, ils disent la forme. Mais moi on m'a dit justement que c'était une tortue. Parce que justement, le surfeur, quand il est allongé sur sa planche, il met les deux bras. Ouais, mais ça ressemble à une tortue. Je suis d'accord sur ce point-là. Il faut faire attention, surtout, c'est le sang. Oui, bah, ça, oui, c'est le flair. Ça, on le sait. Oui, mais je veux dire, tu t'égratignes sur un truc. Moi, je m'appuierai. Moi, je le prends. Il y a du sang. Crois-moi que le requin, il le sent. Voilà. Justement, le sang. Justement. Wow, ouais. Se régale. Les requins ne voient presque pas. Bah voilà. Bah c'est moi qui me trompe en fin de compte. C'est bien. Et du coup, ils ne voient que les formes. Ouais. Et non mais merci. Alors du coup, le deuxième tweet, c'est un tweet de, enfin c'est du judo. C'est Sarah Léonie Sizik qui se qualifie en finale avec une belle claque en moins de 57 kilos. On peut le montrer. Vraie claque, ouais. Ah oui, tu vas voir. C'est autorisé de faire des claques. Ouais, voilà, donc la française survoltée là-dessus. Voilà, il y a un sacré gros hippon. C'est très encourageant. Attends, mais là, cervicale, là. Non, il y a pas d'histoire de cervicale. Elle enroule bien, de toute façon. J'ai quand même l'impression que la tête frappe en premier. Je sens la tête frapper aussi. Regarde sa tête. Elle tape et après, elle tape. Je crois pas. Je crois que c'est son bras et ça amortit. Mais bon, de toute façon... Il n'y a pas eu de problème avec son opposant. Encore une petite fois, on n'a pas de trop bien. c'est en boucle. Et du coup, c'est de très bon augure pour les JO, évidemment, puisque ça arrive. Oui. Et,
s'ils sont, voilà, sont maintenus. Et ben, ce serait plutôt pas mal. En tout cas, très belle technique. On continue du coup avec les petites Twitch stats qui sont tombées. J'ai trouvé ça sympa parce que d'habitude, ils font souvent un top des top 5 ou 10 meilleurs streamers. Et là, ils ont affiché pas mal de chaînes. Au total, on peut afficher le tweet avec 176 streamers, 30 millions de followers. Pas mal. Et on peut voir sur les 4... donc 30 millions, c'est quand même insane, hein, ouais, au niveau français. On peut voir sur les 4 graphes... Bah, c'est 30 millions cumulés, hein, donc oui, forcément, bah oui, c'est des, oui, followers, bon, qui... Oui. Il n'y a pas 30 millions de Twitchers en France, oui, étant donné qu'on est 70 millions, mais c'est bien de le rappeler. Du coup, voilà, on peut voir, ils les ont classés par zone et par lien entre les streamers, entre, par exemple, des followers partagés. Donc, ouais, on peut voir qu'à droite, c'est plus les web TV et qui sont un peu plus... Voilà, évidemment, il y a le stream tout à droite, qui a beaucoup de followers en commun avec Jiraya, Solary, Wankil, Zerator, etc., etc. Et voilà, j'ai trouvé ça cool. Mais les autres images, parce que celle-là, en gros, la première, c'est tous en les gros, liens. En gros, la première, voilà, c'est tous les liens. La deuxième, c'est les liens où ils ont plus de 100 000 followers en commun. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un petit peu moins. Et là, c'est 300 000 followers en commun. Déjà, il faut les avoir. Mais on voit que Squeezie a, par exemple, 300 000 followers avec... Remets les deux d'avant. Ouais, avec le stream et... En gros, le plus gros lien, c'est Gotaga Squeezie, quoi. Ah ouais, ouais, Gotaga Squeezie, ouais, ils se font... Après, c'est normal, oui, parce que Gotaga, il faisait le live de Squeezie le jeudi soir. Ouais. Puis aussi, c'est surtout ces deux mecs qui ont presque le plus de follow dans le game. C'est le plus gros, hein. Et voilà. Et moi, j'ai des... Attends. J'avoue que la dernière, j'ai pas... Je crois que j'ai un lien avec... Vas-y, remets l'image d'après. Parce que j'ai un lien à 100 000, moi. Zoom. Je suis à côté de le stream. C'est quoi mon lien? The Rye. Ah ouais. Ouais. Ah, peut-être avec Jiraya, non? Ouais, Jiraya. Ouais, on voit. J'avoue qu'on n'arrive pas trop à voir. Ouais, pas. Pas trop, je pense que c'est avec le stream, en vrai. Après, moi, j'ai pas un milliard de followers non plus. Hein, donc, un lien de 100 000, c'est-à-dire que tous les mecs qui me suivent, ils suivent le stream, quoi. Ah, t'en as combien, en vrai, des followers? C'est bon. 100 et quelques, 100 000 et quelques. Bah, tu fais des lives à 15K, quand même. Non, mais, mais sinon, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais il y a une proportion. Mais ça n'a rien à voir avec les followers. Je te jeter des fleurs et tu m'envoies... Ouais. T'as vu comment t'es, mais t'as vu, moi, je ne reviendrai plus jamais. Eh bien, écoute, voilà. Tant pis. tant pis. Et du coup, le dernier, alors c'est pas un tweet, la dernière news en fait, c'est comme vous le saviez peut-être, PewDiePie avait dit qu'il faisait une pause sur YouTube. On savait pas quand il allait revenir, etc. Et là, juste avant que le récap commence, il a posté sa vidéo qui avait. Au moment donné, attendez, je vais vous dire ça, mais son retour, ça faisait 8 minutes, il y avait déjà 360 000 vues et 110 000 likes. Et donc, du coup, voilà, il est de retour après 30 jours. J'ai pas encore eu le temps de regarder la vidéo, donc je ne sais pas ce qu'il raconte. Certainement qu'il n'y fera plus jamais de pause parce que j'ai lu ça dans les commentaires. Ça doit lui faire bizarre, voilà, quand même. Hein. 30 jours sans YouTube quand il a fait des vidéos tous les jours, ouais. Tous les jours? Ouais, non, il poste une vidéo tous les jours? Quasiment. Ouais. C'est waouh, wow. Ouais, c'est un rythme de malade. Ah oui, c'est un rythme de ouf. Si. En plus, il dit souvent qu'il ne prépare pas ses vidéos à l'avance, donc c'est tous les jours qu'il se met au charbon. Après, bon, il y a des vidéos aussi, c'est juste du gameplay Minecraft, et il y a des vidéos, c'est du le why, donc il regarde juste sa page Reddit et il commente. Donc c'est quand même relativement tranquille, mais le rythme sur 10 ans, c'est effréné. Ouais, et donc là, voilà, après sa petite pause de 30 jours, il est entre guillemets déjà de retour. Moi, je m'attendais à une grosse pause, tu vois, genre 6 mois, un an. Je le suis beaucoup. Désolé, Junpei. Mais ton règne est terminé. Tant mieux. C'est lui qui fait ses montages. Ah, déjà. Non, c'est pas lui qui fait ses montages. Il a deux monteurs. Mais, okay. Mais c'est quand même le boss du YouTube Game. Donc, ah, il est, donc, il est de retour. Eh bien, écoute, merci à toi, Junpei. On va passer à Max Million qui a. Oui. Mais en fait, il n'y a que deux sujets. Il n'y a que des sujets. Mais oh, ça dégoûte. Il y a beaucoup d'illustrations. Je me disais, c'était insane et tout, mais... T'inquiète. Il y a un grand débat. Premier tweet, je crois qu'hier, vous parliez de la 20th Century Fox. On en avait déjà parlé. C'était cette semaine, ou peut-être pas forcément hier, qui change de nom, bien sûr. Maintenant, on a enfin le motion officiel qu'on peut mettre. Vous savez très bien de quoi je parle, évidemment. Animation mythique. Et cette fois-ci, ça y est, ça change enfin de nom. Oh, j'adore ce truc-là. Ça a moins de gueule, hein? Hein? Ça a moins de gueule. Ouah, c'est me shit, en fait. Bon. C'est pas mal, mais je préfère personnellement Jean Mineur. Bien sûr. 0801. Ouais, 800. Non, donc voilà, évidemment, bon, ça. Ouais. Pas, grosso modo, c'est la même chose, mais c'était suffisamment important pour notifier. Et tweet numéro 2, on va parler de l'affaire qui bouleverse Twitter, qui bouleverse les réseaux sociaux, les amis. Si. C'est quoi? Oh, Kanye West et sa femme au KFC. T'as vu qu'ils ont mis une plaque commémorative sur la... Mais, oh, doucement, là!
On va pas y aller. Alors, non, non, ce n'est pas ça, t'inquiète pas. Il fait sa chronique. Bah, c'est pas grave, on va le revoir tout à l'heure. On va mettre les gants. Hein. Mais donc, je vais revenir sur une affaire. Okay. C'est l'affaire, je pense qu'on a tous vu. Il y a un mec qui est dans le chat qui dit le nimposteur. Alors, c'est effectivement, ça concerne cet enfant. On a tous vu la vidéo. Alors, on va peut-être pas mettre la vidéo, on peut mettre juste l'intitulé parce qu'elle est assez hard. Donc, pour résumer, c'est un enfant du coup, qui est de 9 ans, qui est atteint de nanisme et qui est complètement. Anéanti. Oui, non, mais il est comment atteint de c'est bully quoi. Enfin, plutôt il est plutôt comment dire. Bah, enfin, j'en ai plus. Il est harcelé. Ouais, complètement. Voilà, il est harcelé. Merci. Matin au soir. Il est complètement harcelé et du coup, dans la vidéo, il menace de se suicider et c'est vraiment horrible. Du coup, la mère le filme justement pour dénoncer le harcèlement à l'école et voilà. Donc c'est une vidéo qui a fait le tour du net. Mais première réaction. La seule politique qui a été notée, c'est Nadine Morano, qu'on peut afficher. Alors, je ne cautionne évidemment absolument pas. Et du coup, elle suggère que... vas-y, mais... Voilà, un petit câlin de Joséphine Ange-Gardien lui ferait du bien. Donc, non. Évidemment... C'est abusé. Voilà, facepalm. Attends, c'est une parodie, ça. Ce n'est pas une parodie. J'ai vu ça, non. Mais c'est un fait. J'ai été voir. C'est pas un compte officiel. C'est son compte officiel, mec. Mais c'est pas certifié. Elle fatigue. Si, c'est certifié. C'est Nadine _ Moreno. Donc, évidemment, le respect est pour. Je suis abasourdi. Ah ouais, bah, il a enterré, oui. Vraiment, littéralement. Mais la question, après, qu'il y a, parce que les petits malins d'Internet, ils ont fouillé. Et la question, c'est est-ce que c'est vrai ou pas, oui, mais a priori, personne ne remet en doute la véracité du truc. Mais effectivement, il y a une cagnotte déjà qui a été lancée pour lui, donc avec quasiment 300 000 dollars de récolté. Et puis, il y a des photos, il y a des vidéos qui ont ressurgi, qui montreraient cet enfant-là sous une bien autre posture. Alors, vraiment, moi, il faut prendre des pincettes. Hein. Internet, vous savez, il faut faire très attention avec ça. Mais effectivement, est-ce 307 000, il va bientôt pouvoir acheter le Space Mountain, là. Clairement. Parce que ça a bien grimpé, la cagnotte. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo en question? Et du coup, tout le monde se demande si, en fait, c'est un véritable même enfant. Il y a des accusations de partout. Alors, c'est vraiment hyper touchy comme sujet. Est-ce que c'est le même ou pas, voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que c'est le même? C'est le grand sujet, mais on va regarder. Il y a des photos comparatives et ça a quand même l'air d'être le même bonhomme. Ah bon, d'accord, très bien, il y avait d'autres photos. Il n'y a pas une photo avec des footballeurs en Australie ou quelque chose comme ça. Mais il n'a pas la même dentition, l'enfant dans le... Ouais, c'est très... là, on dirait... Très... Enfin, je sais pas, je veux pas me faire... Bon, mais en fait, oui, mais je me suis dit, attends, ça se trouve, c'est juste un nain qui lui ressemble aussi, effectivement, un autre mec, et voilà, le ressemblement, c'est frappant, et du coup, Internet joue avec ça pour accuser, ce qui est quand même chaud quand tu vois l'affaire qui est grave. Mais, oui, j'avais mis un deuxième tweet avec les deux photos côte à côte, et tu te dis, putain, ça a l'air vraiment d'être la même personne. Donc, du coup, forcément... Eh bien, ça fait le buzz, le bad buzz même, parce que si jamais le mec est un fake et qu'en fait, c'est, imagine par exemple un adulte qui se fait passer pour et qui joue sur des sujets aussi graves, c'est... C'est pas le même nez, hein. Après, le nez, tu es capable de le morpher. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, quand même? Je sais pas, mais c'est quand même... C'est troublant, on va dire que c'est troublant. En fait, le fait que tu te poses la question, déjà, c'est pas bon, tu vois. C'est troublant. Moi, je rapporte... Parce qu'après, il y a aussi des mecs qui ont dit, regardez, sa mère sur sa page Facebook, elle a mis un message quand il est né et tout. Mais tout à fait, c'est pour ça que si jamais... Après, y a des accusations... ça se trouve, sa mère, elle a eu l'idée de faire ça avec, avec son gosse il y a 9 ans et elle a fait que le truc... On sait pas, tu vois. Attends, il y a des escrocs, gros, ils sont loin. Là, c'est le plus gros, c'est un gros braquage, c'est du braquage. Ça, c'est... Abracadabrandesque. Oh, abracadabrantesque. C'est dur à dire, je sais, mais... Mais il le dit mieux que moi. Non, mais parce que là, je suis en forme. Normalement, en fait, je roule par terre. Le truc, c'est qu'avec Internet, tu peux tout faire. Maintenant, tu peux même faire parler Emmanuel Macron. On dit n'importe quoi, tu vois. La communauté, même dans le chat, ils sont divisés, on n'arrive pas à savoir. La moitié des mecs qui disent c'est fake, la moitié qui disent que c'est pas fake. Après, peut-être que c'est bien le même gars et peut-être que c'est un enfant qui se la joue comme ça. Ça veut rien dire, tu vois. Oui, il pourrait passer dans un clip. Les accusations, c'est que c'est pas le même gars et qu'en fait, c'est un adulte qui a joué là-dessus pour gagner de la thune. Alors, c'est des accusations qui sont hyper graves si jamais c'est pas le cas. Parce que, bien sûr, le harcèlement à l'école, c'est un fléau et il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et il faut le souligner, c'est ce qu'il faut retenir de l'histoire. Au final, c'est d'être positif, tu vois. Mais voilà, donc en tout cas, c'est un vrai sujet de société. La double peine, c'est vraiment si le gamin... C'est un vrai gamin. Non, mais la double peine, évidemment, qui fait de la peine. c'est si le gamin,
il est, vraiment atteint de nanisme et il est vraiment subi du harcèlement à l'école et qu'en plus il a une vague de haine sur lui parce que les gens disent ouais, c'est pas toi, t'as fait ça pour l'argent et tout. Ah oui, ça, c'est, ça, déjà c'est, que le gamin c'est... veut se foutre en l'air, le pauvre. Là, non, après, après, le message est quand même, même si la forme est, pas, est peut-être fake ou pas, on sait pas, mais au final, le fond du message, il est quand même réaliste. C'est-à-dire bien sûr, bien sûr. Il y a des enfants qui se font bully, qui soient atteints de nanisme ou atteints de zéro maladie ou. Ou quoi qu'est-ce, enfin, genre ils se font, il y en a qui se font harceler tous les jours et il y a des enfants qui se suicident tous les jours parce qu'ils se font harceler et le sujet de fond c'est le harcèlement à l'école et souvent les voilà les adultes qui entourent ce genre de pratique, enfin c'est souvent à l'école quoi, ils se disent ouais, c'est pas si grave tu vois, mais parce que c'est difficile de, enfin ils se mettent pas à leur place et puis du coup ça laisse passer, puis après ils n'arrivent pas à mettre le curseur, ouais, ça va à quel moment l'enfant est vraiment en détresse, ils disent oh bah non mais c'est juste des petites moqueries, et puis le gosse ça se trouve il a envie de se suicider depuis un an, donc moi la vidéo ça m'a foutu j'étais super mal à l'aise. Oui, hein, non, mais elle est très trash, c'est pour ça qu'on c'est extrêmement difficile à supporter. La plupart des, enfin il y a des gens dans le chat qui disent ouais mais alors pourquoi une cagnotte, la cagnotte à la base elle était faite pour envoyer le gamin à Disney, oui c'est ça, Félicien. Oui, ouais, voilà, oui, bah, il va y aller toute sa vie du coup là. Ah bah là, je peux prendre le même hôtel que Jiraya il y a pas longtemps, je crois. Bah, l'hôtel là. Apparemment, il y a aussi des gens dans le chat qui disent que en 2015, il avait, enfin sa mère avait déjà fait parler de lui et que elle se sert de lui. Enfin, tu vois, c'est genre il y a tellement d'infos qui sont de partout. Comme tu peux rien vérifier, voilà, ils arrivent. Je veux dire, le truc c'est qu'on est tous là à 50-50 à se dire c'est quoi. Pour l'instant, on n'a pas de, en fait, on n'a pas de preuve même. J'ai vu les trucs là sur Facebook en mode ouais, il est né, mais ça se trouve. Ah. Est-ce que quelqu'un avait rêvé en vérifié que ça existe, tu vois, parce qu'une image, moi aussi, je peux la faire. Apparemment, ils ont trouvé leur compte Insta. Bah, j'ai vu le commentaire passer, mais alors à qui, enfin ouais, au gosse. C'est une star sur Insta, le mec, mais lequel? Je veux dire, c'est ça qu'on a essayé de savoir. Est-ce que cet enfant qui souffre est un enfant ou c'est un adulte qui... On a déjà eu le même problème, il y a en vrai pas si longtemps que ça, avec, ça, le truc avec la fille qui, est, oh là là. Qui était censée Esther. Être... la psychopathe, c'est pas une fille qui était censée... Mais en fait, je sais même plus... C'est une enfant adoptée, je sais même pas la finalité, si c'était au final une adulte, une enfant... Non, c'était une adulte. C'était une adulte qui avait une maladie... génétique. Exactement, ils pensaient avoir adopté une petite fille. En fait, c'est une adulte qui s'était échappée, je crois que je sais plus d'où elle venait, je crois d'Europe de l'Est. Enfin, c'était un truc. Elle était pas moitié psychopathe. Si. En fait, elle a essayé d'assassiner ses parents adoptifs en les empoisonnant. Et enfin, voilà. Si vous avez vu le film Esther, c'est la même chose. Hein, mais la vie est pleine de surprises. Bref, attention. Et du coup, t'avais un truc genre, enfin, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres tweets qu'on avait. Non, en fait, c'est tous les tweets qui ont été passés là, donc on est bon sur ce sujet. Eh bien, merci à toi, Maximilien. Vous ferez votre avis de toute façon. Vu le grand bruit que ça a fait, on aura sûrement un statement d'ici quelques jours, quelques heures. Mais on a plus important, on a surtout les tweets de Zulu. Ah, c'est à moi. Oui, c'est à toi. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai prévu aujourd'hui? Super, Zulu. Merci de ne pas faire ça avec moi tout à l'heure. Alors, je vous ai trouvé des images assez impressionnantes. Alors, je suis obligé de vous prévenir. Sur des flamants roses qui seraient cannibales. Je vous laisse regarder. C'est quand même impressionnant. What? Ah, mais c'est dégueulasse. Non, non. C'est un gâteau. Ah, non. C'est une myrtille. C'est une myrtille. Mais ce n'est pas du sang, mon cher risotto chaud. C'est du framboise. Mais les images, en fait, c'est un gâteau. Non. En fait, c'est regardez bien le. C'est les parents, en fait, du petit flamant rose qui s'allient pour le nourrir. Et en fait, le flamant rose du haut, il ne défonce absolument pas la tête de celui au milieu. Il recrache ce qu'il a mangé, donc qui sont des algues et des crustacés, si je dis pas de bêtises, je me trompe peut-être, si c'est ça, et, qui ont une couleur rosée rouge, et en fait le rejet coule le long du bec et ça nourrit le petit. Ouais, c'est du lait. Putain, ouais. Et donc quand tu vois ça impressionne, c'est en fait non, c'est absolument pas du sang, c'est juste une façon de nourrir leur petit. Et pourquoi il lui met pas directement dans le bec? C'est trop. Je ne sais pas. Okay. Mais je pense que c'est parce que c'est trop. Ça fait trop de quantité. It's too much. Ouais, okay, d'accord. Maxime, il dose comme ça. Il se sert de son. La nature est bien faite. Nature is no fool. Ouais. La nature est bien faite. Et quand t'as envie d'aller au-delà un petit peu de la nature, quand tu crées ton chez-toi. Tu vas au KFC? Non, tu vas pas tout de suite. On n'est pas encore. KFC. Quand t'as envie de te faire un bon nid douillet, mais que t'as les thunes pour faire la baraque de tes rêves, et que t'es fan de basket, tu peux faire ce genre de truc. Tu fais une maison en panier? Maison en flamme rose. Oh, il a un terrain chez lui, quoi.
Il a un terrain de 3x3 dans son salon, en fait. Genre, c'est son vrai salon, en plus. Ouais, genre là, on s'en bat bien les couilles. Ah ouais, bah ouais, là... Stylé, hein. T'imagines. Ah, mais... Bah, s'il y avait vraiment des thunes, il aurait fait un truc à côté. Ouais, mais bon. Est-ce que tu peux mettre un 3 points quand tu fais ton stack haché, tu vois, le midi, tu vois? Ouais, tu peux pas. C'est vrai que... Non, tu peux pas. Là, tu peux. Là, tu peux, là, tu peux. Si vous aviez la possibilité d'avoir une masterpiece chez vous, vraiment la pièce rêvée, ce serait une master, quoi, là une masterpiece. Alien en grandeur nature, de Giger. C'est pas une pièce. Ah. Non mais parce que une œuvre d'art. Non mais parce que lui il a dit master. Ah, d'une pièce. Non mais lui il a dit master. Une œuvre d'art. Ça apporte à confusion. Excuse-moi. Ça apporte. Excuse-moi. Tout me confuse, Pépé. Ah non mais moi aussi je te confuse. Il a dit masterpiece pour pièce maîtresse. Non. Alien géant. Mais lui, ce qu'il veut savoir, c'est compris. Tu l'as vu celui à Los? L'alien géant. Mais je l'ai vu. Il y a un petit magasin où t'as un artiste, je sais pas de quelle nationalité, qui prend des métaux de récupération pour faire des structures assez grandes. Et il y a un magasin sur la plage à Venice Beach qui incroyable. Ils font Predator, il y a Alien. Bon, on l'avait déjà présenté, je crois. Et il y a un truc à Lyon, parce que je crois qu'il y a le musée. Le chat va me dire, je crois qu'à Lyon, il y a le musée, un des musées du cinéma. Ils ont la reine mère d'Alien. Enfin, il l'avait de temps en temps. Je pense que grandeur nature. Je crois que c'est à Lyon ou à Nantes, je ne sais plus. Le mec se balade tellement, je ne sais plus où je l'ai vu, mais je sais qu'il y a un musée. C'est Lyon ou c'est Nantes? Non, c'est pas Marseille, je ne suis pas allé récemment. Musée du cinéma, c'est Lyon alors, peut-être, non? C'est la mer alien. C'est Lyon. C'est la mer. Elle fait littéralement. Mais le truc est super. Musée du cinéma à Lyon, oui, musée des miniatures à Lyon. Voilà. Oh, ils sont forts. Voilà. Ils sont très très forts, c'est sublime cet endroit, sublime. Et du coup, ouais, donc toi, Pépé, ce serait avoir une statue géante d'Alien. De Giger, de Alien. Ça m'a toujours fasciné ce truc-là. Je suis fascination pour Alien. Maximilien, une boîte de nuit chez toi? Putain, c'est une très bonne idée. Ça m'écoute. Les masterpieces, c'était genre. C'est-à-dire. Une pièce. Lui de pièce, lui de base, il voulait dire une room. Ouais, une room. Dans ce cas-là, moi, je dirais vraiment une salle de jeu, mais incroyable. Une salle de jeu de quoi? De gaming, genre vraiment. Gaming. Tu vois, je peux pas mettre. Console actuelle ou rétro? Ah tout. Bon, attends, tant qu'à faire, mec. En fait, tu vois, j'ai mal à avoir toutes mes figurines dans mon salon. Enfin, j'ai pas beaucoup de figurines, mais même afficher trop de trucs de jeux vidéo dans mon salon directement. Je suis pas fan. Ça fait fuir les filles. C'est pas. Ouais, tu vois. Enfin, je préfère avoir une pièce dédiée. Pour l'instant, j'ai pas encore la place, ouais. Mais ouais, ce sera ça idéalement. Zari, une piste de cartes, quoi. Ah, une piste de cartes dans le jardin. Ah, c'est pas mal ça. Dans la maison. Ouais, ouais. Dans la maison. C'est le mec. Pour aller de Broly à la cuisine. Ah, excuse-moi, ouais, mon Uber là est en retard là pour que j'aille chercher mes biscottes là. C'est genre. Junpei. Oh, je pense salle d'arcade, c'est pas mal. Une salle d'arcade. Ouais, une salle d'arcade rétro. Ah, c'est pas assez. Ouais, avec un mur d'escalade, parce que je kiffe ça. Ah voilà. Ils mettent des trucs qu'on va avoir. Sur un bateau. Sur un yacht, ouais. Ouais. Moi, ça sera un cinéma. Et toi un cinéma, un cinéma. Ah oui, mais toi. Enfin, un cinéma, je veux dire, un cinéma, Dolby, machin, truc. J'avoue que le ciné, avec combien de places? Ah bah moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai 50 places et je distribue les pop-corn en plus. Oh là là. Non mais attends, un vrai cinéma, je peux recevoir des gens, je peux recevoir les gens du stream que j'aime bien, deux personnes, et des trucs comme ça quoi. Moi ce serait avoir un lac naturel dans mon jardin. C'est pas une pièce ça. Élever des moustiques apparemment. Bah ça va, une piste de cartes. Ouais mais si, ça peut être une d'or, tu vois. Non, parce que j'ai dit la pièce maîtresse dans la maison, mais je parlais de la pièce, l'œuvre, tu vois. Ok. Non, franchement, un lac naturel dans mon jardin, pas trop grand, mais juste pour mettre un but de water polo l'été en même temps que les barbecues. Autant avoir une piscine, parce que vraiment le lac, les moustiques, gros, tu vas te faire détruire, gros. C'est pas con. J'ai changé d'idée. Ouais, voilà. C'est juste une piscine, quoi. Ouais, j'avoue. Une piscine olympique. Ouais, ou alors. Non, c'est tout. À débordement. Mais est-ce que t'as un truc un peu plus réaliste? Genre. Non, mais. Ouais, parce qu'un lac, c'est chaud, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est un mon cousin, il a un lac chez lui. Non, mais il est au bout de son jardin, tu nous avais expliqué. Non, mais un truc un peu plus réaliste, ouais, genre si t'avais une pièce en plus dans ton appart, mais une pièce, genre, je sais pas, 20 mètres carrés. Une pièce d'une maison. Je sais pas, moi je pense que je ferais un studio chez moi. Et d'enregistrement pour... Un studio d'enregistrement, ouais. Santé ou faire des duels de cartes, ou genre de. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais. Duel Yu-Gi-Oh. Une salle d'affront. Une pièce Yu-Gi-Oh, non? Ouais, une pièce Yu-Gi-Oh, ouais. C'est génial, ça. Ah ouais, ouais. Ouais, je pense ça tirait bien, ça. Mais j'avoue que le cinéma, ça me. Le cinoche, quand même. Un truc où tu invites tes amis, tu leur fais une bonne séance et tout. Avec la machine à popcorn, un côté. L'idée, c'est les posters de Star Wars, la machine à popcorn et tout. Ça peut servir de gaming aussi, tu vois. Ça peut servir de gaming. La séance à 7 euros. La séance. Non, c'est mes amis, donc ils viennent au open bar. Oh là 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 là. Normal. Ok. Ouais, écoute, c'est tout à ton honneur. Alors KFC. Je poursuis, le KFC, oui, avec Kim Kardashian et Kanye West qui apparemment ont commandé à cette borne et ils ont voulu immortaliser ça. Ah, ils sont forts, putain. Ça dégoûte, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. C'est vrai.
En fait, le truc, c'est que c'est kitsch et c'est nul, quoi. Mais au moins, ça fait parler d'eux. Et ils ont tout compris. Et là, c'est l'autodérision. Ça dégoûte. Kim Kardashian a pété dans ses toilettes. Enfin, ça va. C'est pas un truc avec en plus la machine fonctionnait pas. Ils sont allés commander au guichet ou un truc comme ça. C'est tout automatique, fonctionnait pas. Quoi, ils étaient là déjà. Ils sont allés commander au guichet. Et il y a un détournement de ça. Je sais pas qui l'a fait, qui est formidable. Il y a un mec qui a fait un Photoshop avec une salle de ciné. Il a mis la plaque sur un fauteuil. Ici, j'ai chié et personne n'en parle. Et il y a Bigard qui a fait un truc génial également. Bigard, c'est on parle de Kim Kardashian et de Kanye. Moi, j'étais devenu vulgaire. Hein. J'étais chié à 10h dans le TGV, machin truc, personne n'en parle. Putain de monde. Voilà, tout le monde, les détournements sont énormes. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y a des fans qui vont venir exprès prendre des photos. C'est mignon à la base. C'est pas méchant, c'est mignon, moi, je trouve. Je me demande comment ils se sont perdus là, quand même. Ça mignon. Après, ton droit de vivre. Hein, c'est... Ah ouais, c'est vrai, ouais. Non, bien sûr. Bah, c'est comme le streamer au Japon, là, j'en avais parlé, je crois, la semaine passée, qui faisait un live IRL au Japon et il parlait à un mec qui avait un kebab. Ouais. Et là, il y a Squeezie qui arrive à côté de lui, qui vient commander son kebab. Et t'es là en mode, bah, c'est le hasard total. Ils ont aussi le droit de se faire des petits kebs de minuit. C'est mignon. Allez, je termine avec un braqueur assez malchanceux. Je propose de regarder. Il rentre dans un restaurant, il veut le braquer. Le restaurant est vide. Mais il y a juste deux petites personnes qui mangent au fond du restaurant. Vous allez les voir. Et en fait, ces deux personnes, eh bien, c'est juste... C'est Kanye West. Deux flics. C'est un couple de flics. Voilà. Donc, ils voient ça et ça va partir en queue de boudin, quoi. Genre... Queue de boudin. En autre boudin. En autre boudin. En autre boudin. D'un cœur. Oh, en autre queue. Queue de poisson, autre boudin, mais queue de boudin, bon. Ouais, et du coup, ça part en gunfight ou... Non, mais ça va. Ça, ils interviennent, quoi. Genre, ils sont là en mode... Putain, ils avaient tous les deux leurs armes et tout. Mister et... C'était en pause protège. Ah, il y va. Mister et Miss Smith. Ouais, alors, je sais pas trop comment ça a fini. Ouais, lui, c'est un malade de courir. Hein. Ouais, parce qu'il faut pas suivant où c'est. Waouh, mais gros, il va se prendre une balle dans la jambe ou un truc comme ça. Je pense que ça va se passer comme ça. Tu sais où c'est ou pas? Louisville. Louisville. Ah, faut pas courir. Oh, il a pas couru bien loin, je pense. Je pense que à mon avis. Faut pas jouer avec ça. Bah, enfin voilà. C'était mon petit tour de Twitter du jour. C'était bien. Ouais. Bah merci. Rien. J'attendais un autre truc, mais non. Merveilleux. Merci à toi Zoulou, c'était exceptionnel. Mais il y a un truc encore plus fou qui va arriver. C'est la chronique de Pépé. Ah bah. C'est le mode dont tu parles. Bah ouais. Mais attends, mais tu sais que en disant ça, tu me stresses, Pépé. Tu m'émotionnes. Generic. C'est à toi, Pipi Jitsan. Ça va, vous allez bien, tout le monde va bien. Oui, ça va. Ça va toujours Pépé. Bien. Oh, moi, je suis en pleine forme, comme oui, toujours. Je suis content, je suis baladé cette semaine. Je suis allé à Lyon voir une école qui s'appelle XP School, qui est sur place, qui fait en même temps une école de commerce plus du e-sport. Et c'était génial, j'ai eu plein d'abonnés, super gentils, que je salue. Ils sont des fans total du stream, ils se réveillent le matin avec la matinale, ils vous regardent après, ils dépriment le soir, la nuit et tout, ils sont là, ils sont heureux. Je les salue vraiment. Commencez à bosser, hein. Vraiment, les petits gars de Lyon et tout le monde, c'est super cool. Donc je vais faire des petites news et il y a des petits produits sympas après. Ah oui. Donc des petites news, je vais faire des petites news légères, je dirais même aériennes. Tu vois, Xari, un truc où vraiment les gens vont dire, bon allez. Gentillesque, quoi. De la gentillesse partout, beaucoup d'amour. Alors on va partir à Dubaï. Avec quelqu'un qui est français, qui s'appelle Vince, et qui a décidé de créer un jetpack. Vous savez, le jetpack, vous l'avez peut-être vu le truc. Moi, ça m'a fait rêver. Ouais, bah ouais. Alors, ça peut aller à 400 km/h. Ah, c'est un flyboard. Alors, le monsieur qui est français voulait battre un record, donc survoler comme ça la ville de Dubaï. Ouais. Et il a réussi à faire monter donc son jetpack à 1800 mètres d'altitude. Donc, si tu veux voir un peu plus de choses, c'est vers 2 minutes 50 où il survole vraiment. Là, c'est un peu le making-of. Et tu vas voir le truc très aérien et le mec est en plein dedans. Il prend un kiff incroyable vers 2,50 et vous allez voir la vision que lui a de la vision qu'il a de la ville. Ah moi ça m'a sidéré. GTA San Andreas. Voilà. C'est ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Attends, il y a du scotch sur son aile. C'est pas grave. Il a pas peur le type. Attends, non, c'est à la française, on y va, on est les meilleurs. Même avec du scotch, ça fonctionne. On s'en fout, on est les meilleurs. Regarde la sensation qu'a dû voir ce mec. Non, j'imagine. Non, ouais, j'essaie de. Il est en permanent. Non, mais regarde, il est là. Ça fait des années déjà qu'ils ont inventé cette. Oui, ça fait un moment. Lui, ça fait un moment qu'il le fait, mais là, il voulait réaliser ce truc-là. Et puis, il atterrit en parachute, comme si vous allez voir le moment où il touche terre, mais comme si de rien n'était après avoir vécu ça. Quoi, il a dû avoir des frissons de partout. Et donc. Il s'appelle Vince, c'est son petit prénom, voilà, il atterrit juste après.
Et voilà, il se fait congratuler. Donc, je trouve ça merveilleux. Je voulais montrer cette image de ce mec qui s'éclate. Et il me semble que c'est un duo à la base qui vient d'Annecy. J'ai pas eu le justement, cette information. Qui s'entraîne à Dubaï et tout. Ouais. Mais moi, je me dis, le mec, il fait ça. Après ça, la vie, elle est fade, non? Genre. Il y a plein d'autres trucs. Genre, il peut le faire au Grand Canyon. Attends, Zoul, il peut le faire dans plein d'endroits du monde. Il aura des sensations différentes. Oui, c'est vrai. Parce que là, il l'a fait au-dessus de Dubaï. Parce que c'est notamment un fantasme qu'il a fait. Mais il va le faire n'importe où après. Il va prendre un kiff. Je pense qu'ils font sponsor ou ils ont des liens. Avec je sais pas les trucs après. Mais tu fais ça à New York et tout. Là, il faut avoir le droit. Là, c'est peut-être un peu plus facile. C'est bien la même personne qui avait créé les premiers jackpots en France. Justement, il galérait à l'époque à trouver un sponsor et tout, et il avait présenté ça à l'armée française. Je sais pas si c'est lui. Non, faut pas confondre avec Zapata. Je pense pas. Le chat doit savoir. Qui est le mec qu'on a défilé au 14 juillet. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ok, ok. Bon, bah, je me trompe pas là. Lui, c'est un peu le mec, c'est plutôt lui. Lui, c'est le bouffon vert, lui. Voilà, d'accord. Sous les pieds. Voilà, je pense que c'est pas lui. Je pensais que c'était une forme évoluée. Je pense que lui a essayé de faire un truc avec suivre un avion une fois ou un truc comme ça. J'avais eu une histoire à propos de ce type, et je voulais vous montrer cette image qui m'avait marqué parce qu'elle était belle. Bon, par contre, ça pollue un peu. Hein, genre. Oui, ça, je ne peux pas dire le contraire. Je suis entièrement d'accord avec vous. De toute façon, tu as toujours raison. Mais tu as toujours raison. Au pépé. Ouais, c'est moi. Alors, petite news derrière, parce que bon, vous savez qu'il n'y a pas de Mobile World Congress, mais par contre, les produits tombent quand même, parce que les gens n'y sont pas, mais ils vont pas se priver. J'attends le Xiaomi Mi 10, ça. Oh. Par exemple, aussi, mon cher Xavier, donc tu auras ton Mi 10 en temps et en or. Donc, il n'y a pas le Mobile World Congress, mais quand même des produits. Et TCL nous a pondu un système de smartphone qui n'est pas pliable, qui est coulissant. Eux ont dit, nous, on coulisse. C'est-à-dire que le truc fermé, et tu le déplies, tu le coulisses. Regardez un peu ma main. Clop, ouais. Tu fais comme ça, comme une porte d'ascenseur. Et du coup, l'intérieur est creux. On n'a toujours pas totalement compris tout parce que les mecs. Bah oui, non, mais regarde, si tu regardes bien, il y a une partie qui doit être en effet un peu creuse et l'autre qui doit se déplier avec un truc. Alors on comprend pas tout. Regarde-moi. Non plus d'ailleurs, ils comprennent pas. Eux, on s'en sûr. Donc ils voulaient le montrer justement. En fait, le problème, c'est qu'il y a un décalage du coup au milieu. Il y a une couche, hein. Il y a un truc qui rentre dans un truc comme ça. Ouais, voilà, qui rentre à l'intérieur en coulissant. Eux plébiscitent le coulissant parce qu'ils trouvent ça solide. Contrairement à des trucs qu'ils considèrent moins solides parce que justement c'est pliant avec des charnières. Eux, ils rentrent à l'intérieur du produit. Voilà, c'est leur idée. Mais ça... en vrai, tu utilises ton téléphone 100% normal. C'est une sorte normal, de truc déroulant ou pliant. Mode... Enfin, moi, on n'a pas toutes les infos parce que je vois dans le chat, en effet, déroulant, pliant. Figurez-vous que TCL a été extrêmement vague avec la presse, avec les fuites. On n'arrive pas trop à savoir si ça se déplie, ça coulisse. Juste incrusté à l'intérieur, mais du coup, je... Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas encore... tout dit parce que je pense qu'ils gardent une partie du truc un peu secret professionnel, enfin secret industriel tant qu'ils l'ont pas montré vraiment. Les brevets ont été déposés pour eux, ils l'appellent coulissant. Il faut savoir que la communication en Chine, ils appellent ça coulissant. Ouais, alors c'est une porte-fenêtre, quoi. Voilà, c'est ça. Eux, ils l'appellent coulissant, le terme exact. Bon, voilà, c'est une idée industrielle comme une autre. Après, on va passer sur une vidéo qui m'a fait carrément hurler de rire, qu'il faudrait peut-être mettre avec le son, d'ailleurs, en régie. Vous savez que le problème qu'on a actuellement, nous, les êtres humains, dans le monde où nous vivons, c'est qu'on est entouré d'objets qui sont numériques, dont des enceintes connectées, des montres, des smartphones. Et le point commun de tous ces produits, c'est qu'ils nous écoutent plus ou moins. Imaginez qu'on invente un système qu'on puisse avoir autour du poignet, qui n'est certes pas beau dans cette vidéo parce qu'il n'est pas finalisé, qui m'inviterait de brouiller entièrement tous ces matériels et qui fait qu'il ne pourrait pas nous entendre, qu'il serait presque aveugle. Aveugle. Est-ce que tu peux t'en servir ou pas? Mais oui. Alors, ce qui se passe, voilà, ce sont donc une université. Regardez la taille du bracelet. Quand même. Ah oui, c'est un prototype. C'est beau. Hein. C'était l'autre truc, moi. Non, okay. C'est un prototype. Donc, c'est un prototype d'un bracelet. Alors, comment ça fonctionne? Je trouve ça super malin. Super malin. Le bracelet est composé de 24 haut-parleurs de 3 watts. Ils vont balancer un bruit rose. Le bruit rose, c'est-à-dire une fréquence très élevée, 25 000 Hz. Donc ça fait un bruit rose. Nous, on l'entend pas. Ton chien, par contre, bon, c'est un peu différent. Mais bon, le bruit rose est balancé comme ça. T'es 24 000 Hz ou 26 000 Hz. Ça fait que de l'autre côté, les capteurs de tes matériels sont complètement troublés. Et eux, ils n'entendront pas ta voix. Ils vont entendre un énorme P géant.
à la place, un truc qui est très trouble et qui fait qu'ils ne pourront jamais entendre ce que toi tu entends. D'accord. Le produit est donc existant pour eux, il est donc il est moche, il est gros, ça n'est pas le problème, c'est une proposition également et c'est bien l'avoir créé. 4 heures d'autonomie, il émet un son qui fait 92 dB parce qu'au-dessus ils estiment que c'est un peu compliqué même pour les animaux qui entendent ces fréquences-là, la chauve-souris que tu as chez toi qui va se prendre le mur parce qu'elle sera troublée, des trucs comme ça, multiples directions, c'est pour ça que vous avez plusieurs trucs autour de vous, enfin autour du poignet parce qu'il est multidirectionnel, c'est-à-dire que n'importe quel produit qui serait dans la pièce sera entièrement troublé. Okay. Voilà, et ne pourra pas entendre quoi que ce soit. Ils disent même que le signal va rendre également aveugle le smartphone, qui ne va pas comprendre tout ce bruit rose. Là, il y a un son, je ne sais pas si on peut le mettre. Je ne sais pas si on peut mettre le son ou pas. Si on ne peut pas. Et là, il va l'appuyer dessus. Voilà. Là, ah d'accord. Ah, c'est le smartphone qui écoute. Ouais. Là, non, ça, c'est l'émission. Enfin, le smartphone va entendre ça. Oui. Il sera très troublé, il deviendra même fou quelquefois, parce qu'il ne va pas comprendre le signal. Et en même temps, on peut attirer les chauves-souris. Les petits loulous du chat ont raison. La chauve-souris, c'est à 90 000 Hz. Hein. Elle se repère à 90 000 Hz avec les parois, pour ne pas se prendre la paroi. 90 000 à 120 000 Hz. Ça risque pas d'être dangereux en avion ? Mais évidemment que oui. Oui, d'accord, on est d'accord. Non, sincèrement, c'est un projet, je pense en effet qu'il vaudra peut-être mieux pas le mettre dans des endroits où ça peut être... tu vois 1000 mecs à l'aéroport avec ça, tu vas allô Houston, on a un problème, on n'entend plus rien. Donc non, tu vois, c'est dans une pièce confinée, la portée n'est pas très grande pour Menro, la portée ne va pas très très loin, je crois que c'est la pièce uniquement, c'est dans 5-10 mètres, bien sûr dans un avion. Imagine trois mecs avec ça. Donc, oui, pour le moment, c'est des projets. Je trouve ça plutôt sympa qu'il y ait des projets comme ça. C'est plutôt cool. Je suis très, très content. Voilà. On va passer à des produits qui sont physiques, qui sont devant moi. Ah. Il y a pléthore. La feuille en papier. Max, l'école du rire. Tu as fait l'école du rire. Je vois des trucs très stylés en vrai. Mais c'est tout très stylé. Alors, est-ce que vous connaissez les casques Marshall? Bah, bien sûr, oui. Alors. Non. Bah, enfin, je connais deux noms, mais j'en ai jamais. J'aime pas les casques. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, tout me va, Xari. Quoi que tu fasses, tu as raison. Donc, les casques Marshall sont très connus. Il y a des casques, il y a également des enceintes Bluetooth. Il faut savoir que le Marshall... Pas les amplis de base. Il y a des amplis guitare pour ACDC et autres. Tous les amplis, c'est historique. Et Marshall sort pour la première fois. Le produit sort dans un mois, on l'a déjà. Le récap. GG à toi, Pépé. Mais GG, ils sortent leur premier casque. Regardez d'abord le design. C'est le casque. Il est replié sur lui-même. Ouais. Tel un cocon. C'est et vrai. Max, tu vas pouvoir l'ouvrir maintenant. Je fais, vas-y, ouvre-le. Abracadabra. Attends, ne nique pas, parce qu'après, j'ai la marque sur le dos. Et voilà, tu l'as déplié. Oui, merci. Voici, messieurs, dames, le premier casque anti-bruit signé Marshall. Il n'avait jamais fait ça sur un modèle qui était Supra. C'est un casque anti-bruit. Voilà, c'est le premier Supra, c'est-à-dire vraiment autour de l'oreille. Non, c'est un Supra, ça. C'est sur l'oreille. C'est un premier Supra signé Marshall. Je donne le prix tout de suite. Hein, ça va sur les prix des Bose et des Sony. 299 €. Ça sort, je crois, dans un mois. Ça sort au mois de mars. Mais attends, il sort du son. Non, bien sûr. Tout pour les chauves-souris. Mais non, mais tu dis c'est anti-bruit. Mais oui, mais anti-bruit externe. Le premier casque, il ne fait pas de son. Mais je veux être sûr de comprendre. Laissez-moi sortir. Mais je veux être sûr. Mais tu as raison. Mais en plus, toutes les questions que tu poses sont légitimes. Tout est légitime. Il n'y a pas de questions bêtes. En effet. Tu as tout raison. Il n'y a pas de questions bêtes, mais tu t'es foutu de ma gueule quand même. Quoi? Non, pas non, du mais tout. C'est parce que non, il est anti-bruit externe. Cette semaine, oui. J'ai passé un tweet dans le récap. Oui, avec un mec avec un casque. On a Joël, le fameux Joël Postbad de Twitter, qui a voulu commander un casque avec des écouteurs, quoi. Ouais. Et qui a juste commandé un casque de chantier, puisqu'il a pris le moins cher sur Amazon, machin. Mais je voulais être sûr d'avoir non, pris. C'est un casque, tu as le son normalement. Mais c'est une question con, j'avoue. Mais non, il n'y a pas de question con. Il fait, crois-moi, que. Oh là là. Moi, j'écoute tout et je réponds à ce que je peux. Donc le truc, c'est qu'en effet, il est donc. Il faut appuyer. De toute façon, là, il est pas entièrement chargé. Alors, pour les petits trucs, il y a des gens qui disent que 300 € c'est cher. C'est vrai, mais c'est le prix des autres, hein, du Bose QC35. C'est le prix du Sony XM3. C'est les prix pour des modèles qui sont déjà haut de gamme. C'est un produit qui a donc 30 heures d'autonomie. Donc, un aller-retour Paris-New York directement avec Xari, vous pouvez le faire avec la réduction de bruit. Sans réduction de bruit, vous avez 45 heures d'autonomie. Il est Bluetooth codec SBC, il peut travailler en filaire ce produit. Ouais. Il y a une application extraordinaire, l'application qui sortira également, qui est l'application Marshall Bluetooth, non. Qui permet de gérer. J'y crois pas.
Mais mon Zou, tu as raison, tu as tellement raison. Allez, donc, le truc, c'est que tu vas DJ pouvoir, avec l'application, gérer ta réduction de bruit en boussant comme ça, voilà, de 20% à 100%. Tu peux régler l'égaliseur dessus, tu as tout sur l'application. Une réduction de bruit de 30 dB, c'est-à-dire que tu prends ton son, tu enlèves 30 dB derrière. Ouais. Google c'est Assistant, beaucoup, hein. Siri. Google Assistant, Siri. À l'intérieur, 320 grammes, c'est un peu lourd parce qu'il y a l'électronique dedans, donc le bestiou fait quand même un peu plus lourd, extrêmement solide, ne résiste pas à l'eau, le plongez pas dans la piscine, les loulous, ça sert à rien. Ouais. Donc à l'intérieur, des transducteurs de 40 mm, et c'est vraiment un design que j'aime bien parce qu'il se plie beaucoup. Il y a une petite mallette pour le transporter, un petit truc vraiment très très cosy que j'ai dû jeter quelque part, je ne sais pas où, mais qui est très très mignon. Bah, c'est pas ça? Non, pas du tout. Si je m'en vais, c'est pas beau quand même, le mec il est plus là. Si, meublé, allez-y, bah, racontez un truc. Pourquoi, bon, Zoulou? Ah, bah, je ne l'ai pas retrouvé. En fait, pour avoir un casque d'un concurrent... Mais vas-y, dis-le, on est sur le récap. Non, mais je ne sais plus quel... Sennheiser, là. Je le trouve beaucoup plus fragile... Enfin, je trouve beaucoup plus fragile le casque que j'ai, donc Sennheiser, que celui-là. Il paraît beaucoup plus robuste. C'est-à-dire que j'aurais moins de mal à le plier... Et le mettre dans mon sac sans la case de transport que celui que j'ai actuellement. Celui, il est vraiment fait pour se replier comme un escargot. C'est une coquille d'escargot à la fin, tu vois. Il est vraiment fait comme ça. Et ça, c'est un avantage quand même. Et vraiment, tu le mets dans une petite sacoche, tu le sens même pas. Moi, je le trouve très bien. Bon, bref, on le testera parce que le truc, c'est que là, il est finalisé tout doucement. Donc, comme je l'ai vraiment en preview pour le récap, yes. Ça sort dans combien de temps, tu veux dire ? Moi, je pense qu'ils m'ont dit genre 12 ou 13, ou entre le 12 ou le 13 mars et 25 mars, je sais plus. Okay. On aura la conférence de presse après. Mais nous, on a avant parce que c'est bien. Donc voilà, le produit, c'est le premier Supra avec réduction de bruit chez Marshall. Maintenant, mon petit Zoul, tu es prêt ? Enfin, petit Zoul, t'es à côté de moi. Xari, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. On m'a déjà appelé Xari en convention. Mais non, mais parce que je vous aime tellement tous les deux. Je mets un peu d'égalité. Vous êtes pour moi, vous êtes mes role models comme les Américains. Allez, c'est pour toi. Tu l'ouvres. C'est quoi ? C'est la nouvelle Nintendo DS. Le Z. Et le voici, le voilà. Ah. On l'a en plateau parce que j'ai réussi quand même à... Oh putain. Il est en vente, hein, ceci dit. Hein, c'est pas non plus les. Je vous le ramenais il y a 3 semaines. J'aurais pu dire que bon, je l'avais en avant tout le monde, mais donc voici le derrière planqué derrière l'ordinateur. Voici donc le. Tu peux l'allumer sur le côté appui. Quelque part, tu dois avoir un bouton pour la. Non, quelque part. Vas-y, parce que tu as un des boutons qui va te l'allumer. Mais je ne comprends pas comment ça marche. Donne-moi, donnez. Ah voilà, tu l'as. Donc le voici, le voilà. Je voulais vous montrer un petit peu. On voit un peu la pliure comme ça, mais globalement, appuie un petit peu, mon petit canari défraîchi. Appuie un petit peu. Ce qui se passe. Comment ça appuie maintenant ? Voilà. Là, voici donc le modèle qui, une fois ouvert, fait 6,7 pouces, un écran dynamique AMOLED. Je tenais directement à répondre à toutes les choses que j'ai pu lire sur Internet, disant que l'écran n'était pas en vert. En effet, il est en vert. Okay. Il est en vert, un vert très très fin, hein, qui a un nom particulier qui s'appelle Thin Glass. Ouais. Mais sur le vert, il y a une couche protectrice qui est plastique. Donc en effet, si vous commencez à faire ça, vous allez rayer la couche plastique. Mais le vert est bien en dessous et ce n'est pas la première fois qu'on plie du vert dans l'industrie. Ouais. Donc, mais là, ils l'ont fait pour avoir un produit qui était un peu plus solide. L'écran est bien sûr super AMOLED. Zoul, tu me le casses, tu fais comme tu veux, fais comme chez toi. Mais 600 balles. Hein. Avec une définition 1080x2136, c'est du 22e, donc quand vous l'ouvrez, vous avez un grand écran. Capteur 12+12 mégapixels, vous avez du truc tous les côtés, HDR, vidéo en ultra HD, 60 images par seconde des deux côtés, des ralentis de partout, stabilisation optique, Dolby Atmos, il n'y a pas de prise mini jack, ils n'ont plus les moyens de la mettre dessus, Bluetooth, Wi-Fi 5, capteur d'empreinte sur le côté, c'est-à-dire que tu appuies en même temps sur le côté pour les capteurs d'empreinte, c'est plus sous l'écran ou un truc comme ça. Tu le déverrouilles comme ça. Okay. Il peut se charger sans fil avec une charge de 9 watts, hein, c'est pas non plus la mort. Et 183 grammes, il est en vente actuellement au prix de 500 euros. 1500 balles. Il y a des chiffres que j'ai du mal à dire. Ouais, c'est normal. J'ai du mal, on refait là. 1500 euros. Et il y a une seule version, c'est-à-dire de la 4G, uniquement. Ah, avec pas de 5G. Pas pour celui-ci, pour la France. Okay. Ils vont certainement le lancer en Corée, au Japon et autres en 5. Oui, okay. Mais la 5G, elle réserve pour les S20 pour le moment. D'accord. La série S20, il y en a 3 5G et 2. Et alors, il y a un truc qui est bien, Zoul, tu es en train de regarder. Parce que tu peux le poser. Alors, le truc qui est différent, je tenais à finir la chronique sur ce produit. Voilà. Ouais. Si vous regardez bien ce que fait Zoul, c'est que pour la première fois, il n'y a pas. Mets-le de profil, s'il te plaît, mon petit Zoul. Vous pouvez choisir l'angle que vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas ouvert ou fermé comme un clapet normal. Ouais. Tu peux choisir l'angle que tu veux à volonté.
Et donc, faire par exemple, tu peux streamer un truc comme ça avec un truc en selfie, et tu choisis ton angle et tu le poses devant toi, comme un transpondeur de Star Trek, et tu choisis ce que tu veux. Est-ce avec que une... tu peux, par exemple, diviser l'écran en deux? Pas celui-ci, c'est le Fold. D'accord. Le Fold a suffisamment de surface pour faire en trois. Okay. Le Fold, c'est en 3, lui, en 2 peut-être, sur celui-ci, je ne sais plus sur le logiciel. Mais là, ce qui est bien, en effet, c'est que c'est entièrement modulaire. Okay. J'allais dire, du coup... Vas-y, avec grand plaisir. Pardon. Tu dirais que, par rapport à son prix, etc., on en avait déjà un petit peu parlé, les mods à l'intérieur ne sont pas ouf par rapport à... Moi, je trouve qu'il aurait encore pu être plus équipé, techniquement. Bon, il y a quand même un Snapdragon, je ne sais plus quel est dessus. Il y a un Snap 855+, plus, avec une gravure 7 nano, qui est dessus. Je m'attendais encore plus, techniquement, mais ils ne peuvent pas foutre le... Ça coûte une fortune à faire ça, industriellement. J'imagine, ils font la pièce. Ils n'ont pas de ligne de production qui en produisent 15 milliards. Ils sont déjà en rupture de stock monde. C'est-à-dire que tout ce qui était déjà préannoncé, tout a été vendu. Tout a été vendu dans le commerce, ils sont en rupture. Donc le produit plaît beaucoup en Asie, parce que les Asiatiques sont très friands de ça. Ouais. Et on verra pour le Japon, parce que le Japon a aussi une grande histoire avec tout ce qui est à clapper. Hein, c'est quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc voilà, le c'est produit est là. Que... Enfin, oui, c'est... il est plus grand qu'un S10. Vas-y, bah, c'est 22 9e. Moi j'ai le S10 Plus là dans Mais il est 22 9e, Xavier. Ouais. Xari, pardon. Xari. Il est 22 9e, celui-ci, avec un écran de 6,7 pouces déplié. Alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est une autre version du pliable. C'est ça. En vrai, dans la poche, c'est plus cool, Yura. Pardon ? Quelqu'un qui demande, mais dans la poche, c'est quand même plus agréable d'avoir. Ça qu'un grand téléphone, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent un petit truc comme ça, qui rappellent certainement Matrix et autres, plutôt que le Fold, qui est quand même gigantesque. Je suis pas sûr, parce que du coup, c'est plus épais. Il est... C'est plus épais quand c'est replié, et du coup... Il n'est pas plus épais que le Fold. Il a l'air plus épais parce qu'il est ramassé. Le Fold, il est plus grand. Non, mais oui, mais il est plus épais que ça. Ah oui, mais tu mets deux écrans. Donc, tu mets deux écrans avec une charnière, t'as du mal à... Je comprends pourquoi c'est plus épais. Oui. Je dis juste que dans la poche... Je me demande si je préfère pas avoir mon téléphone qui est plus long mais plus fin. Avoir un dans ta poche, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, t'es là. Vas-y, lève-toi, barre-toi, de toute façon, on a pas besoin de toi. Allez, vas-y. Allez, salut. En vrai, c'est plus bien beau, moi, je trouve. En vrai, c'est pratique d'avoir un petit truc pour les poches pas profondes. Ça va carrément. Je pense que c'est plus pratique d'avoir ça. Moi, j'avais ma Game Boy Advance SP dans la poche. À l'ancienne. En vrai, ça me rappelle grave une Game Boy SP. Non, mais c'est justement, les avis sont partagés, c'est ça qui est vachement bien. Ce que j'aime bien, c'est le petit écran devant là. Ouais, L'écran de contrôle qui est ici, qui permet d'avoir les notifications, et même tu peux avoir un retour selfie. C'est-à-dire en petit, tu peux te cadrer avec l'écran, qui fait donc 1,1 pouce, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais ce que je trouve bien, et je vais finir la chronique de celui-ci avec ça, c'est qu'au moins on a plusieurs options. On n'a pas uniquement le Fold, on a maintenant un truc qui se plie, il y a les autres modèles qui arrivent chez Huawei et chez Xiaomi. Donc le public choisira ce qu'il veut. Moi, ça ne me dérange pas celui-ci, mais si j'ai envie de travailler, je préférerais le Fold parce qu'il est plus grand. Après, tu vois toujours le pli quand même au centre de l'écran. Tu plies, mais bien sûr que tu as raison de le dire. Ça me dérange un petit peu. Vous avez raison, bien sûr qu'on voit le pli, mais je crois que tous, on verra le pli. Tant qu'on a un même écran, je ne vois pas comment le plier complètement, ce qui est cette sensation. Le pli, on le voit parce qu'on a beaucoup d'éclairage, mais en plein jour, tu es dans la rue, tu ne le vois pas. Hein, le pli-pli. Quand tu l'as devant les yeux, ça va, tu le vois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà, donc c'est fini. Je voulais quand même un petit peu. D'accord, c'est la chronique suivante avec un mot agréable. Okay. Bon, quel est, les amis, un moment avec tout le monde, quand vous allez à l'étranger dans multiples pays, quel est le plus gros problème que l'on peut rencontrer quand on voyage dans le monde entier? Les bouffes sont pas bonnes. La bouffe, la monnaie. Je réponds vraiment? Oui. Bah, le problème de la langue, j'imagine. Oh, bravo. Bravo. Bah non, franchement. Bah, désolé. Grâce à ma... Enfin, je suis juste polyglotte, donc je parle mandarin. Ah oui, tu parles toutes les langues. Espagnol, portugais et anglais. Donc à partir de là, je peux aller un peu partout, quoi. Alors, je parle. Alors, en effet, c'est la langue. Et il existe une marque japonaise qui s'appelle Pocket Talk, qui avait lancé déjà des prototypes à Las Vegas de produits. Ouais. Et on en a deux ici sur le plateau. L'ancien, ils sont toujours en vente, et le nouveau. Et c'est pour moi la première fois qu'on arrive à faire un Pocket Talk capable de traduire en temps réel, en liaison avec un cloud, une intelligence artificielle, quelque chose de fluide. Mmh. 74 langues, dont des dialectes, c'est-à-dire par exemple, je vais être méchant, hein, l'anglais parlé en Australie, celui qui est parlé en Grande-Bretagne, l'américain, des dialectes également en Chine. D'accord, il comprend donc, les accents. Y compris des accents, et c'est la première fois qu'on arrive à le faire. Donc il y en a deux qui sont en vente, on va faire un essai justement sur le plateau avec Xari qui va parler donc en français, que ça sera traduit. Tu appuies sur le bouton qui est en bas, normalement c'est fait tout de suite, tu appuies et tu dis quelque chose. Bonjour à tous, vive la France. Voilà. Hello everyone, long live France. Voilà. Wow.
Donc, c'est, et là, on l'a fait en anglais, mais on peut switcher de tous les côtés. Il y a des petits boutons à l'intérieur pour switcher. Il faut savoir qu'il y a des langues aussi... il y a des dialectes, carrément. Il y a le Swahili, il y a du norvégien qui n'est pas très, très parlé. Il y a la langue thaï. Alors, il faut savoir, quand on achète le produit, c'est très important, donc que ce soit celui-ci, qui est donc l'ancien modèle, je vous explique la différence entre les deux, et le nouveau, quand on le paye, on a une carte SIM qui est dedans, okay, prête à utilisation. Elle est prête. Okay. Combien de temps ça dure ? La carte SIM, data illimitée sur 2 ans, quels que soient les 133 pays où tu es. Tu n'as pas de problème. Il n'y a pas de limite. Aucune limite de data. Donc, où que tu es, où que tu sois, du moment que tu as du Wi-Fi dans un hôtel ou que tu as quelque part un réseau 4G ou 3G, tu peux avoir donc le contact avec le cloud et une traduction en réel, en temps réel. Ça, c'est la base. Donc, Wi-Fi possible, Bluetooth pour échanger les données. Si tu as un truc qui arrive en Bluetooth, une donnée, bah, tu peux la transmettre à un PC, un truc qui serait une adresse, un truc comme ça, tu peux le transférer également en Bluetooth. Donc, c'est un truc intéressant. On va parler un petit peu des prix, puisqu'il y a des prix différents. Celui que tu as dans la main, c'est le plus onéreux. L'ancien modèle qui est donc ici, qui était un modèle un peu plus... qui était le premier qui avait fait un carton... si tu peux le montrer, Max, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ce premier modèle qui est donc... il est noir sur noir. Donc, voilà. Non, mais c'est pas du noir. Mets pas du noir. Vas-y. Est-ce que c'est beau ? C'est incroyable. Voilà, noir. C'est noir sur... C'est beau. Est-ce que c'est beau ? Alors, ce premier modèle qui était sorti, qui a fait un carton au Japon, on doit avoir une slide. C'est la dernière phrase que tu as dit. I love you, but I fuck you. Voilà. C'est la dernière phrase. C'était pour essayer... Les gros mots. Oui, pas nous, Pépé, depuis, pas nous. Hein. Depuis tout à l'heure, il fait que des fuck you. Dans mais le non, truc. Mais parce que s'il est capable de traduire, quand je dis des énormités, s'il est capable de traduire le reste. Oui, non, donc, fais ce que tu veux chez toi. Donc, si tu veux, j'ai fait un truc du genre... non, c'est pas possible. C'est zéro sens. Bonjour, je suis super content de travailler avec des gens qui sont des gros cons. Voilà. Mais là, si tu traduis, tu dis un truc génial. J'étais là à ce moment-là. Oui, j'étais dans le couloir. Bonjour, je suis petit, je suis vieux, je suis chauve, mais je vous emmerde. Non, je suis chaud, pardon. Ah non, chauve. Bon, écoute, alors ce produit qui coûte 249 €, ouais, ça c'est celui qui était donc l'ancien, et celui que Zulu a dans la main est particulier, car si on regarde Zulu, derrière, il y a une caméra. Il traduit, non, il traduit ça peut traduire les textes. En direct. Ça peut traduire tous les textes que tu veux. Alors là, ça peut traduire le Google Lens. Oui, mais la vitesse à laquelle ça le fait. Bon, j'ai tu pas, peux la, essayer. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que là, si le Wi-Fi fonctionne, tant mieux. Parce que c'est le, là, je, la carte SIM passe pas dans le avec la structure métallique. Mais donc je l'ai mis en Wi-Fi. J'ai une question. Pourquoi avec grand plaisir dans un accessoire externe et pourquoi pas proposer une application téléphone? Mais bien sûr qu'elle va venir. L'application, elle existe déjà à mon avis. Elle existe, mais là, bien sûr qu'elle existe. Moi, j'utilise en Chine. Mais là, il y a des gens qui vont avoir un boîtier que quelqu'un peut prendre dans la main parce que tu parles à quelqu'un, l'autre va prendre le boîtier, appuie sur le bouton en haut, il y a la traduction dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu parles du français à chinois, tu commences ton truc, l'autre reprend le boîtier qui est connu maintenant dans toute l'Asie. S'ils connaissent le boîtier, ils le reprennent et rappuient sur le bouton inverse et il te répond en chinois et c'est retraduit directement en. C'est l'idée d'avoir quelque chose qui est presque. Ergonomique. Ergonomique, mais international et connu. En Asie, ils connaissent tous maintenant ce système-là. Okay. Donc si un occidental se pointe avec ça, ils vont carrément, quand tu commences, il va te prendre dans la main le produit et répondre lui-même. Tu vois, sans qualité du smartphone. Bah oui, le smartphone, c'est ton smartphone que tu files. Oui, là, c'est un produit. Bon, est-ce qu'on peut faire un exemple avec une autre langue là, parce que le français là, de toute façon, il est là devant, il peut changer les langues. Je sais pas ce qu'il fait Zulu là, mais il est en train de tout casser. Non, j'ai envie de faire une application utile. Oui. Et j'ai cherché une carte Yu-Gi-Oh en japonais et j'ai essayé de traduire le texte. Tu peux normalement s'il y a du Wi-Fi. On est désolé pour l'histoire du Wi-Fi de normalement avec la carte SIM normalement. Alors, quelle est la différence entre celui-là et celui-là la différence c'est la caméra qui est dessus. Celui-ci va coûter plus cher, ça va un peu vous effrayer, avec tout compris dedans. Donc la prise de texte, c'est sur 19 langues la prise de texte, et le reste c'est la même chose pour les langues parlées. Il y a un micro anti-bruit qui est plus puissant, qui permet de ne pas entendre les gens autour, parce que tu traduis quelquefois dans la rue, et tu as du bruit autour. Là le micro est mieux pour l'anti-bruit autour. Il coûte 299 € celui-ci, l'autre 249, mais je pense que les prix vont beaucoup baisser, parce qu'ils en vendent énormément, et que c'est en train d'être lancé. Mais attendez, mais ça va, je croyais que tu étais allé dire. Le produit peut vraiment servir, sans rigoler, c'est un produit qui... Est-ce que tu t'en as un, toi? Moi, je l'ai utilisé en Asie, déjà. Bah ouais. Je l'ai utilisé en Asie. Ça marche parfait. Ça marche nickel. Du moment que tu as une liaison ou que tu as le Wi-Fi, c'est plus simple que ton... Le problème, je vais être... Vous savez que je suis un voyageur, le Google Translate qu'on a... Là, tu dis du moment qu'on a une liaison ou qu'on a le Wi-Fi, mais si dans la rue, j'ai pas de téléphone, j'ai ça, ça marche? Vu qu'il y a la carte SIM dedans. Oui, bien sûr, ça marche en téléphone. Bah, c'est fait pour. C'est le fait, dans le cas où tu n'as pas de téléphone, ça va plus loin que le téléphone. C'est-à-dire que moi, je fais des trucs avec Google, et Google traduit le chinois d'une façon un peu aérienne. Un truc un peu schématique, c'est-à-dire qu'il comprend certains mots, mais pas tout. Là, tu as plusieurs dialectes.
pour t'adapter à l'endroit où tu es. Le chinois traditionnel, le mandarin de certains coins, tu as plusieurs trucs dans les 60 cartes. Cantonais, les trucs comme ça. Quoi, oui, tandis que lui, il va te donner des morceaux de mots et tu as l'autre qui est en face et qui ne pourra pas comprendre et ça va te gaver. Quoi. Alors, est-ce que tu y arrives, Zoulou? Alors, que dit le chat? Ils, après les deux ans, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors là, figurez-vous que je n'ai pas vraiment eu la réponse. Mais après deux ans, tu le rachètes. Non, je pense qu'après deux ans, tu renouvelles une partie de ton... Tu renouvelles quelque chose, un abonnement. Un abonnement, ouais. En plus, tu gardes le produit, parce que le produit, c'est tout simplement un truc qui est lié avec le cloud. Hein. Tu as réussi à faire quelque chose, Zoul? Alors, j'ai essayé une carte Yu-Gi-Oh! En japonais. Le résultat n'est pas au point. Mais c'est écrit quoi? C'est des gros mots? Alors, stock étranger. Comme cela signifie 5000 points de vie, ce sera un Seafield. Ouais, c'est pas mal. C'est quoi le vrai texte? Le vrai texte, je vais aller vous le chercher. Mais ça marche normalement, hein. Faut pas non plus. Mais normalement, mais ça marche. Ça fait pas mal. Ah ouais, alors il va falloir que je. Mais est-ce qu'on peut s'en servir comme outil pour apprendre, c'est-à-dire que tu mets français en anglais, tu mets anglais à français, parce qu'il faut dire aux gens qu'ils l'ont pas vu, c'est que c'est écrit en même temps, c'est-à-dire que même pour les personnes qui seraient d'un côté ou de l'autre c'est écrit, on écrit en même temps, c'est qu'on parle et c'est écrit. Donc ça peut aider à apprendre une langue, évidemment. Après, de toute façon, les outils de traduction sont en général très mauvais quand il s'agit d'autres dialectes. Attends, deux secondes. La construction de la phrase est très différente. Ouais, c'est sûr. Je teste juste un truc. Maximilien est vraiment un gros baiseur. Ça n'a pas marché. Il sort sur pas, je peux dire, j'ai essayé avec les gros mots. Maximilien est vraiment un gros baiseur. Maximilien est vraiment un gros baiseur. Ouh là là là. Baiser n'a pas été traduit. Mais... Caliente. La dernière fois, on présentait l'application Hablo, qui te permet en gros de te connecter à n'importe, enfin, une personne dans le monde. Il y a aussi l'application et en gros tu peux lui parler, ça te traduit automatiquement. Ah, automatiquement. J'avais dit à un mec, c'était un Mexique. Non, c'était un mec qui parlait espagnol, je crois. Enfin bref. Et je lui demandais, est-ce que tu connais la France et tout. Il fait, non, j'y suis jamais allé, mais j'ai déjà connu une fille en France. Et je fais, oh là là, quel baiser. Et ça avait traduit Hiro de puta. Donc du coup, il a pas été très content, il était parti. Donc, donc voilà, c'est le box. Ah, attends, je vais faire un petit test, bébé. Ah, vas-y, je t'en prie. It is a text van Harry Mulisch geboren in 720. It was the zone. C'est un texte de la 27. Ah, c'est un nom propre, c'est normal qu'il connaît pas. Rap, tu sais. Bon, il a eu ma première phrase, quoi. Bon, c'est. Parce qu'après, on a dû. Attends, parce qu'on a un portugais bilingual, là. Fais une phrase un peu complexe. Non, bah un peu, pas un truc genre je m'appelle. Bon, en attendant, c'est vrai que le produit, moi je trouve intéressant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est intéressant techniquement. Ça s'appelle le Pocket Talk. Il y a donc deux versions. Il lance celui-ci, enfin le plus grand, il le lance en ce moment. L'autre, on le trouve à beaucoup moins cher parce qu'il a été lancé au Japon. Je crois qu'il y a déjà un sacré moment, mais il est toujours en vente parce qu'il se vend très très bien au Japon. Okay. Très 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 bien au Japon, celui-ci. Je le ferai après, mais attends. Pour être honnête, loin de moi de l'idée de niquer le produit, mais moi, c'est pas le mien, je l'ai pas fait. Non, mais je sais, mais Google Lens, je trouve, le fait mieux. Enfin, quitte à payer un truc, tu te payes une carte SIM à l'international, tu vas sur. Et Google Lens, en fait, a les mêmes dialectes, et c'est exactement pareil. Tu peux scanner. Tu peux avec. Ouais, tu peux scanner. Je suis conscient de tout ça, je te parle un peu de tout ça, et l'application est gratuite. Du coup, j'ai du mal à trouver l'utilité du produit, quoi. Je pense que ce sera vendu en tant qu'application, déjà, ce sera beaucoup plus concurrentiel, j'imagine. Oui, voilà, c'est-à-dire que non, parce que Google le fait déjà en application. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'utilise normalement Google, et j'ai trouvé que là, celui-ci était plus précis et plus rapide. Voilà. OK. En Chine, dans tous les cas, ça était plus rapide et plus précis. Peut-être. Mais point. Attention, John Pay va nous raconter son dernier exposé sur Sindal. Je comprends en même temps dans le chat, les gens qui disent qu'ils sont dubitatifs, je comprends très bien. Mais moi, l'idée, c'est de vous proposer un truc que je trouve assez abouti techniquement, dans tous les cas. Le produit est abouti techniquement. Dis, je suis content de voyager en voiture tout autour du Brésil. au moins, c'est une phrase. Ok. Et où sont Félix? Attends, je sais pas si t'as appuyé une fois. Il y a une chanson là, non? Je sais pas. Je sais pas ce que t'es en train de faire. Une fois ou tu restes appuyé? Tu restes appuyé. Eu sou feliz viajar de carro no Brasil inteiro. Début de phrase, ça fait. Je suis heureux de voyager en voiture à travers le Brésil.
Ah, pas mal. Ah. Donc, le problème du test de Zulu, c'est que Zulu, il puait la merde. Non, non, il a eu ma phrase, c'est juste que le nom propre, il l'a pas eu. Oui, c'est Harry Mulisch. Et il a dit à 27, bon, bah, j'y peux rien. C'est le tour. Maximilien, tu connais. Ah, je connais une phrase en allemand. Alors, écoutez, mais attends, comment ça marche? Hop, tu choisis. Bah, tu choisis les langues quelque part, ouais. La langue d'entrée, la langue de sortie. Puis après, attends, tu as reverse. Énormément de langues comme ça, t'as pas un clavier par exemple pour naviguer Bah, tu auras avec l'application, je pense, mais là, c'est vrai que tu peux sûrement faire. Au moins, John Pay, ça a marché tout de suite. Bon, après, ah, après t'es dit, chaud, hein, t'es chaud. 3 ans là-bas, non, c'est faux. Hein, je suis vraiment pas. Tu sais, moi, en gros, je sais pas dire, j'adore voyager en voiture tout au travers du Brésil. Oui, mais en anglais, tu sais. Voilà. Okay. Ouais, à peu près quoi. Ich bin nicht ein Papagei. Papagaio, ça. Je ne suis pas ton perroquet. Ah bon, ok. Moi, pour moi, c'était un perroquet, mais ton perroquet, ça marche aussi. Bon, okay. C'est avec ce. Il a compris Dine. C'est crois. Avec cette fin de chronique extraordinaire que je t'invite, ma fin de chronique extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Du love. Eh bien, bien joué à toi, Pépé, merci. Enfin, je voulais un petit éventail de choses là dans cette chronique. Allez, merci beaucoup. En tout cas, le Z Flip, je l'adore. Si tu le récupères pas à la fin de l'émission, Je le rends lundi matin. Oui, bah ça c'est ce que tu crois. Ouais, je pense que ce qui est bien, c'est que ça va, descendre en prix au fur et à mesure. C'est pareil. Bien sûr. La première, c'est le premier un peu prototype de ce genre de pliage. C'est pas toi, Pépé, qui avait retweeté un. Ok. C'est l'exorciste. C'est qui tourne tout seul. C'est pas toi, Pépé, qui avait retweeté un tweet justement où tu voyais le truc sur une surface lisse. Oui, qui glissait tout seul. Ouais. Non, tu posais et ça bougeait. Parce qu'il est super lisse. Smooth. Ouais. Il est super lisse. Et c'est un revêtement particulier. Apple l'avait avant, ils l'ont arrêté. Mais là, ils voulaient faire un truc luxe. Tu vois, quand tu l'as dans la main, tu ouvres ton clapet. Il y a quand même une idée d'un produit qui est quand même. Il y a un revêtement qui est vendu avec. Un petit poudrier. Il y a un truc qui est vendu pour qu'il ne glisse pas, mais qui a une protection. Mais à côté, tu vois, un peu classe. Et tu peux l'utiliser de diverses façons, quoi. Comme ça, comme ça. C'est ça que je pense qu'on regarde quand tu. Et ils voulaient faire un truc différent. Encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs propositions de produits, il n'y en a pas qu'une seule. Je vais attendre maintenant les Huawei, les Xiaomi, je vais attendre les autres. Pas si mal en vrai. Parce que je vais attendre pour voir si TCL c'est coulissant ou pas. Il faut la diversité, comme ça les gens choisissent après ce qu'ils veulent ou pas. Ouais. Mmh. Très bien. Ouais. En tout cas, Google Lens, je ne connaissais pas. Ouais. Et ça a l'air. C'est top. Ça a l'air aussi. C'est vraiment ultra c'est vraiment bien. Ça va très très loin, Google quoi, Lens. Hein. Google Lens, tu peux. On en avait déjà parlé dans le mobile, mais tu peux par exemple. Prendre en photo le t-shirt d'une personne parce que tu l'aimes bien, il va te proposer le site où oui. Tu peux l'avoir. Ah ouais. Tu peux prendre du mobilier en photo, il va te dire bah tiens c'est Ikea, tu peux l'avoir là-bas, etc. Donc, il va prendre John Pay en photo, il va dire tiens voilà une poupée de lui sur quel tel site un peu olé olé. Ça, non, ça n'existe pour le moment pas, mais je pense que pour toi avec. Magnifique. Là j'ai pris une photo de mon PC. Ouais. Omen. HP Omen 15, il y a le lien direct et tout. Voilà. Ah mais c'est la technologie. C'est super hard. Il y a Bixby qui le fait aussi, mais je peux pas supporter Bixby. Quoi. Je veux dire le truc de Samsung, j'arrive pas. Bixby et moi, chaque fois qu'il s'allie, si je pouvais, tu sais, l'atomiser et le dire, tu ne peux jamais, j'ai jamais supporté ce truc-là. Tu sais que tu peux. Oui, je sais. Il y a un truc où tu peux. Quand ils avaient proposé, il y a quelques années maintenant, quand ils avaient dit, on avait été invité à Paris pour découvrir Bixby. Je te dis, je mets la tête de tout le monde dans la conférence de presse. On était comme ça. Puis ils ont montré le truc, on était là. On n'y arrivait pas du tout. Dès le début, comme ça. C'était... qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, le truc, c'était pour nous. Je crois que les gens l'aiment pas trop, hein, malgré tout. C'est de la merde. Attention, Samsung. On n'est pas contre avec Samsung. Mais je rigole. Non, mais c'est la blague. Moi, le truc, je ne peux pas le voir en peinture, ce machin. J'ai jamais pu blairer. T'inquiète qu'il y a des mecs qui bossent à Samsung que je connais et qui m'ont dit, qui m'ont montré comment l'enlever. Donc c'est de la merde. Non, bah, on rigole. Dans la techno, il y a des trucs qui sont bien. Tu fais l'or manodou aujourd'hui. Hein. Oh, ça suffit. Oh, non, tu plonges. Ça suffit maintenant. Allez, ça suffit. Bah, d'ailleurs, ça suffit. Ouais. On va passer à John Pay Generic. C'est vrai que les gens aiment bien le générique, mais ça, c'est l'inverse de ma personnalité. Mais ouais. Parce que là, d'où te vient ce sens de la fête Je n'en ai absolument pas. Moi, après minuit, je suis couché, je ne sors pas. Il n'y a pas de souci. Non, si, des fois, mais. Une petite bière. Ouais, minuit 2, minuit 3. Tu vois. Une vie monacale. Non, c'est juste qu'il se lève à 7h après. Je sors, mais je ne vais pas en boîte ou des trucs comme ça. Tu vois. Je me dis que j'ai passé l'âge. Je veux dire.
Allez, vas-y, John Pay. Alors, du coup, la première news, c'est Julien Assange. Ils en parlent beaucoup. Il mobilise ses soutiens avant son procès en extradition. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est... C'est vrai que tu ne sais pas qui c'est ? Non, vraiment. C'est le fondateur de Wikileaks. Ils en avaient parlé, évidemment. Donc, Wikileaks, tu sais c'est quoi, Zoulou, bien sûr ? Oui, je vois à peu près quoi. Enfin, c'est-à-dire ? C'est un truc de lanceur d'alerte. Oui, c'est un. En vrai, tu as raison. C'est un site où où avaient été leakées des informations, notamment concernant le gouvernement américain, sur ce qui se passait en Afghanistan, etc. Des trucs qui étaient classés totalement confidentiels. Lui, il a balancé tout sur le net. C'est un Australien et après quelques années plus tard, évidemment, il s'est fait arrêter à Londres. Et donc, du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis, ils sont vraiment en rogne contre lui. Pourquoi ? Bah, parce que ça les concernait principalement. Et qu'il accuse, je crois, de 12 ou 17 plaintes contre lui du gouvernement américain, notamment de divulgation d'informations confidentielles, etc., etc. Et donc, il risquerait 175 ans de prison. Donc... clairement, il n'est pas très bien. Voilà. Et donc, du coup, il a été arrêté en Angleterre. Et ce qu'il veut absolument éviter, c'est l'extradition vers les États-Unis, parce que c'est là où, évidemment, il pourrait aller se faire juger et purger sa peine. Donc, il y a plein de choses qui sont faites autour de Julian Assange. Maintenant, il y a plein de gens qui en parlent, notamment... Oui. C'est pas... comment il s'appelle Snowden ? Ça n'a rien à voir. Non, Snowden. C'est pas Snowden. Ah non, en fait, ils n'ont pas le même nom, du coup. Non mais c'est pas son pseudo, Ah non, Julien Assange, c'est pas un pseudo. Non, c'est son nom, mec. Edward. C'est... Alors. Bienvenue. Allez. Bon, on peut continuer. c'est vrai que t'as pas tort, hein. De sang, c'est un shampoing aussi, si tu veux, Zoulou. c'est aussi un coiffeur. J'en ai pas besoin. Mais voilà. Et du coup, bah, y a plein de choses qui s'organisent autour de ce procès, puisque même si ça va se faire en plusieurs parties. L'issue va être très importante parce qu'il y a même des médias américains qui disent que c'est une atteinte à la liberté. Il est mort. Une atteinte à la liberté de la presse, évidemment, parce que ça reste un journaliste malgré lui, même si c'est pas un journaliste officiel, c'est quand même quelqu'un qui a révélé des informations, qui a fait son enquête. Ouais. Donc ça reste un journaliste et donc la liberté de la presse étant atteinte, il y a plein de choses qui se mettent en place, notamment Maître Dupont-Moretti, c'est comme ça qu'il s'appelle l'avocat, c'est Dupont, c'est ça, Dupont-Moretti, qui apparemment aurait tenté de quoi, c'est un pseudo, non? c'est un pseudo qui apparemment tenterait aussi de faire extrader Julian Assange vers la France pour le protéger de son jugement, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour dire, le procès va commencer, donc il va être extrêmement médiatisé. C'est pour ça d'ailleurs que les avocats du monde entier sont en mode moi aussi je veux bien le défendre pour récupérer un petit peu de fame. Et ça va être à suivre. Je le rappelle, ce sera fait en plusieurs parties. Je crois que la dernière partie où le jugement sera rendu vers mai-juin. Donc on n'est pas encore sorti, mais ça va être extrêmement médiatisé. Okay. Voilà. La deuxième news, c'est qu'il y a eu un espèce de sous-marin, une espèce de sous-marin qui a été retrouvé du coup au large de la. Par contre, c'est bizarre, une espèce. C'est soit c'est un sous-marin, soit c'est pas un sous-marin. Comment ça peut être une espèce? Parce que c'est un truc un peu homemade, tu vois. C'est un truc qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est genre tu dois respirer fort pour aller. Ah oui, d'accord. Et c'est du coup où ils ont trouvé 5 tonnes de drogue à l'intérieur au Panama avec des Colombiens. Ils ont des idées, hein. C'est pas la première fois. Alors, c'est pas la première fois qu'ils arrivent à choper un sous-marin comme ça, mais bon, je veux dire, 5 tonnes dedans, c'est évidemment beaucoup, médiatisé. Alors, ils ont pas précisé de quelle drogue c'était, mais les journalistes pensent que c'est de la cocaïne parce que c'est justement une histoire qui se répète un petit peu. Mais je veux dire, les mecs sont de plus en plus ingénieux pour essayer de faire passer leur saloperie à travers. Bientôt, ça va être dans l'espace, tu sais. C'est ça, mais ouais, genre. Et t'as les bateaux. C'est un truc. Ah ouais, mais en vrai, pourquoi pas un jour, t'arrives et plus. 5 tonnes par contre. Ouais, 5 tonnes, c'est énormissime. Dans l'espace. Bah, tu vas voir l'armée bientôt. Il n'y a pas d'eux ? Il n'y a pas de douane dans l'espace. Il n'y a pas de douane dans l'espace, mais je pense que l'espace aérien est très très contrôlé. Hein. Je te rappelle qu'il y avait un site qui avait été présenté la dernière fois où tu voyais absolument tous les avions qui étaient en l'air à l'instant T. Donc à mon avis, ça se verrait. Mais en tout cas, voilà, donc ils ont réussi à choper ça. C'était peut-être un bateau, mais avec 5 tonnes dedans, c'est devenu un sous-marin malgré eux. peut-être aussi. Hein,
Oh non, ça, non, ça best comment ever. Elle est très très bien. Mais qu'on le retrouve. Oh, bah, il est là, il est à Kadok, qu'on le retrouve. Qu'on retrouve. J'ai les yeux sur le chat. Il va bien jouer à toi, Kadok. Super. Bah, après, c'est vrai que pas sûr aussi qu'une fusée soit rentable, même avec 5 tonnes dedans. C'est vrai que. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, belle prise au Panama. Donc, les mecs se sont évidemment régalés. La dernière news. C'est une news qui nous vient des États-Unis. Il y avait quelqu'un qui avait été viré de son travail, une banquière, ouais. Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait appelé et qui était bloqué à une station essence et qui avait besoin de $20, donc une personne dans le besoin qui était client de cette banque. Et en fait, il avait déposé son chèque, mais du coup, le chèque, l'argent n'était pas encore arrivé. Okay. Et du coup, la banque n'a pas donné l'autorisation pour que le chèque soit validé. Du coup, je suppose qu'il y avait une urgence. Oui, voilà, c'était urgence. Le mec, bah, on est quand même le 31 au soir, le mec a envie d'être dans sa famille. Du coup, ce qu'elle a fait, cette banquière, c'est qu'elle a pris sa bagnole. Elle a arrêté son taf, pris sa bagnole. Elle a conduit jusqu'à la station essence, elle lui a filé What? 20 balles. What? Attends, mais elle a été virée parce qu'elle était gentille. Elle a été virée parce qu'elle était gentille. Ah ouais, elle a déserté son boulot aussi. Elle lui a donné ses 20 balles à elle. Ses 20 balles à elle, ouais. Elle lui a prêté du coup l'argent de la banque ou... Elle lui a donné 20 balles de sa poche pour la dépanner. Donc c'est quand même un acte, une bonne samaritaine. Du coup, virée. La personne en charge de ça aussi, donc sa boss qu'il avait autorisé, sa boss directe qu'il avait autorisé à faire ça, virée également. Et en fait, ça a fait un tollé sur Internet, évidemment, parce que les mecs... Les gens n'ont plus de cœur, ça c'est abusé. Regarde, en plus, c'est des banquiers, donc naniana. Et du coup, elle a été contactée par des dizaines, apparemment, d'entreprises en mode, venez chez nous. Et elle a retrouvé un travail où elle va pouvoir former des gens à Credit Union, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même une histoire où elle n'a pas eu de bol au début, alors qu'elle a été gentille. Et puis au final, c'est très médiatisé. Elle a récupéré un travail très rapidement, de bien qui finit bien. Elle a une peur bleue, elle a encore des séquelles. C'est ça. Ouais, les Zoulous. Merci, Zoulous. Honnêtement, c'est de mieux en mieux. J'essaie de vous divertir, ça je va. Je l'ai connu il y a quelques temps où c'était nul. Et là, c'est recherché. Il y a du travail d'observation. Non, c'est beau. C'est pas beau. Mal. C'est... Merci à toi, John Pay. On va passer. On va se terminer presque là-dessus, sur la chronique du DJ Maximilian. Yeah. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet. Chut, juste après le générique. Here we go again. Eh bien oui mon ami, j'ai fait déjà deux portraits de DJ français. J'avais fait Laurent Garnier, j'avais fait DJ Snake il y a deux semaines. Et je vais m'attaquer à un autre mec qui a encore une fois évidemment bousculé l'industrie. Mais cette fois-ci vraiment de façon très très forte. Et vous connaissez tous ce mec-là. Il est américain et on a sa photo. Et attention, allez-y. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est Skrillex. Fameux. Bien vu. C'est un pseudo ou pas, Zoulou? C'est... Eh bien oui, c'est un pseudo. Et alors, ce mec-là, toute sa vie, très très longtemps, il s'est battu contre beaucoup beaucoup de préjugés. Je vais vous faire un petit peu son parcours. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Il est né en 1986 à Los Angeles. Il a aujourd'hui 32 ans, de parents adeptes de la scientologie. Alors bon, jugez comme vous voulez. En tout cas, il n'a pas passé une enfance particulièrement heureuse. Il a déménagé énormément. Et en 2004, alors il faut savoir qu'il s'appelle Sonny Moore, hein, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. En 2004, à l'âge de 16 ans, il s'aperçoit qu'en fait, ce ne sont pas ses parents. Il a été adopté. Alors le mec pète un petit peu un câble. Il quitte l'école et puis il va errer un petit peu dans des groupes un peu punk. Il va aller faire des rêves, etc. Bref, il n'est pas vraiment à sa place dans la société, mais il sait une chose, c'est qu'il aime la musique et il aime... Le rock, parce qu'avant de faire de l'électro, eh ben, il était fan de rock. Et en 2004, il rejoint un groupe de rock qui s'appelle From First to Last. On a une photo, voilà. Alors, c'est lui, mais... En 2004, hein, donc tu vois, c'était un groupe de rock. C'était sa période Tokyo Hotel, quoi. C'est un peu ça, ouais. Il demande à être guitariste, mais il va devenir finalement chanteur principal. Il va passer 3 ans avec eux. Il va faire 2 albums qui vont vraiment bien marcher. Et il va faire plein de tournées. Et en fait, tu vas voir que le mec, avant de percer en tant que son pseudo Skrillex, c'était déjà un peu un leader né, si tu veux. Hein. Clairement, le mec était chanteur, il a rencontré énormément de gens et du coup, il avait déjà un petit peu de bagage. Le problème, c'est qu'il a beau être sur la route du succès, ses cordes vocales le lâchent. C'est-à-dire qu'il chante et il a des gros problèmes de voix. Il fait une opération chirurgicale et malheureusement, ça ne matche pas. En 2007, du coup, il quitte le groupe et se consacre à une carrière en solo. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, je ne sais pas s'il y avait SoundCloud à l'époque, en tout cas, mais il y avait MySpace.
Donc, il est en 2007. On est en 2007 quand il quitte le groupe, il fait une carrière solo. Alors, il commence déjà à mixer sous son pseudo Skrillex, il fait de la composition musicale sur ordinateur, etc. Il essaye, quoi, tu vois. Mais lui, à la base, c'est un vocaliste. Donc, il sort un premier EP. Hein. Donc, un EP, c'est quand c'est un espèce de petit album, si tu veux. Une espèce. T'es bien, t'inquiète. Qui s'appelle Gypsy Hook en 2009, un espèce de truc électropop totalement passé inconnu. Mais après, il sort un autre truc qui s'appelle My Name is Skrillex. Et ça, c'est son premier gros carton dans le milieu de l'électro. Vous avez certainement entendu, ça va même, je pense, vous rappeler un petit peu un genre qui est à la mode avec Cyberpunk 2077, des grosses vibes de Justice. On écoute ça. Oh là là, c'est un régal. Ouais. En tout cas, voilà, ça c'est son premier gros carton. C'est pas encore du dubstep parce que le mec s'est fait percer avec ça, vous le savez certainement. Il est repéré par Deadmau5, qui est un énorme DJ canadien. Fan de base. Voilà, fan de base. Alors lui, c'est un grand monsieur, mais en tout cas, donc lui, il a un label qui s'appelle Mouse Trap et il va, du coup, Skrillex signer un autre EP qui s'appelle Scary Monsters and Ice Sprites. Et là, pour le coup, ça va être un vrai gros carton. Deadmau5 va carrément le prendre en tournée avec lui et on a un son qu'on peut écouter que par une fois. Je pense que vous l'avez tous entendu parce que là, on commence à être sur des cartons planétaires. Ça, on l'a que trop entendu. Hein. Dans les intros des vidéos Call of Duty. À fond. Exactement. À fond. Du coup, ce son-là lui permet de vraiment accéder à la renommée. Et puis là, t'imagines bien, c'est un son que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. En tout cas, ça marche tellement bien pour lui qu'en 2011, il va au Grammy Awards. Et il gagne 3 Grammy Awards. Donc, le mec cartonne. Pourquoi les 3 Alors, je crois que c'est pour cet EP-là, pour l'album et pour le remix de cinéma de Benny Benassi. Donc voilà, le mec est là, il explose complètement. C'est vrai que c'est du dubstep un peu à l'ancienne, un peu cliché de 2011 avec le wow, tu sais, c'était très parodié à l'époque, mais c'était un genre. Il faut savoir que le dubstep, c'est un truc ultra underground, et en tout cas, ça l'était encore plus à l'époque, qui est né, qui descend du reggae, qui descend de la techno en Angleterre, dans les raves, etc. Donc, c'est un truc dans les années 2010. Au tout début des années 2010, c'était absolument pas connu. Et là, quand t'as un mec comme ça qui gagne 3 Grammy Awards avec ce genre de son-là, ça bouscule. Et forcément, en plus, tu vois que le mec, il a quand même un look qui est assez particulier. Mais ça lui fait son personnage, donc il dérange. Parce que quand t'as une musique que les gens ne connaissent pas, il l'accueille à coups de batte de baseball, et forcément, ça fait beaucoup parler de soi. En tout cas, c'était vraiment l'éclosion un peu du dubstep. Juste après, il sort un autre EP qui s'appelle Bangarang, avec des sons que tout le monde a déjà entendus. Bangarang. Ben exactement, on a Grammy Awards, ah oui, il retourne là-bas. 777 millions de vues le clip sur YouTube. Oui, juste ça. Et je pense que si tu vas sur les. Puis en plus, attends, 700 millions de vues, c'est une époque, on est en 2012 du coup, où YouTube n'était pas encore ce qu'il était aujourd'hui. Et voilà, hein. Donc en tout cas, Grammy Awards 2012, il remporte encore 3 prix. Donc le mec enchaîne. À titre de comparaison, les Daft Punk aujourd'hui en ont 6. Donc là, il est à égalité, tu vois. Et on est en 2012. Et c'est pas terminé. Il est tout seul. Et il est tout seul. Et il n'a pas de voilà, casque. Le mec perce de ouf, il fait une tournée mondiale, explosion médiatique, il devient ultra populaire, ils continuent de se faire cracher dessus, les puristes sont pas contents parce que leur musique devient presque mainstream, tu vois, mais tout le monde parle que de lui, et il entame une tournée mondiale, et le mec c'est un mec qui aime bien la technologie, tu vois, et il a fait un truc qui était vraiment très cool, c'est qu'il avait une tenue de motion capture sur scène, et avec un immense avatar qui reproduisait ses gestes et qui changeait en live, tu vois, donc on a aussi une vidéo de ça, qui se faisait évidemment particulièrement remarquer pour ça. C'est bar. Et je me souviens, du coup, moi j'avais été le voir en 2011 au Zénith de Paris. C'était ça, ouais. C'était des images à toi, ça ? Non. Mais ça reste un des meilleurs souvenirs de ma vie, en tout cas, c'est sûr que le mec avait rempli les Zénith de Paris en un clin d'œil. Et puis après, il avait fait un autre truc aussi, des scénographies de fous furieux avec un vaisseau spatial directement sur scène. J'ai aussi des images qu'on peut montrer. Bah, en tout cas, tout le monde ne parle évidemment que de lui. Alors ça, c'est vraiment avec son vaisseau qui évoluait au fur et à mesure des scènes. Le mec était vraiment... J'avoue qu'il ne faut pas être épileptique dans la salle. C'est clair. Non, bien sûr que non. En tout cas, après,
Il fait carrément un feat avec Damian Marley, donc qui est quand même le fils du coup de Bob Marley. Ah ouais. Son qui avait été repris dans Far Cry 3. Je pense que j'ai mis aussi la scène qu'on peut mettre qui parlera à tout le monde, c'est on crame des champs de cannabis, etc. Pareil, méga gros tube. Il s'associe avec Boy The Noize, je pense que tu dois connaître aussi, pour faire Dog Blood. Après, il va aller voir Diplo, qui est un des mecs qui pèse le plus, et qui fait Jack U. Alors Jack U, c'est simple, c'est un des groupes certainement les plus populaires qui soient dans le domaine de la musique. Ils ont fait ce son-là avec Justin Bieber, qui s'appelle Where Are You Now. Jack U, il retourne encore aux Grammy Awards et il en rafle encore deux. Donc en fait, il en a 8 au total, personnellement. Et c'est le DJ le plus récompensé de l'histoire à ce niveau-là, en tout cas au niveau des Grammy. Et c'est quand même assez forcément impressionnant. Exceptionnel. Il a sorti un album en 2014, il fait plein de choses. Il fait des gros gros sons aussi, hip-hop, il varie. Il fait des trucs pour ASAP Rocky, Pusha T, Rick Ross. Vas-y, tu peux mettre le son et que ça continue. Il a créé son label aussi, Osla, qui développe, qui devient une marque de fringues. Et à côté, il fait de la house complètement démente avec des mecs. Ça devient le fer de lance d'un tas de genres de musique différents. Et le mec il a carrément atteint une espèce de niveau de demi-dieu, tu vois, où depuis il fait pas grand-chose, mais à chaque fois qu'il fait un truc, c'est un truc qui est ultra recherché musicalement. Parce que là, tu dis, la dernière date que t'as dit, c'est 2014, là on est en 2020. Ouais, on est en 2020. Qu'est-ce qu'il a fait entre... Alors il a sorti ces sons-là, il a sorti des singles, soit de hip-hop, soit parfois de dubstep, il a fait des compilations, il développe son label, il est un mec qui va faire émerger plein d'artistes aussi, tu vois. Et il joue très rarement. À mon avis, il doit avoir un prix, j'imagine même pas, tu vois. Enfin, ouais. En France, ça fait quelques temps qu'il n'a pas joué, même en Europe. Je l'ai vu, justement, et pour te dire que le mec, en fait, c'est un gars simple dans sa personnalité. Alors, t'imagines bien, il est suivi par à peu près 40 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est genre huge, tu vois, vraiment. Mais c'est un mec qui est simple. Et je me souviens... Il est allé au KFC, non. Eh ben non. Il y a une plaque. Et tu sais quoi, mec? Juste à côté. En 2016, le mec est de passage à Paris et, pour la Fashion Week. Et puis il se fait un peu chier et il envoie un tweet. Il y a le tweet dans le site que je t'ai mis, mon cher Menro et Rizzo. Et le mec est là, hé hey Paris, est-ce qu'il n'y a pas moyen de jouer ce soir pour rigoler quoi? Et bah figure-toi que Hazard, qui est un DJ français très très bon et sa team de Point Point et tout, on fait ok, pas de soucis gros. Ils ont contacté la machine du Moulin Rouge, qui est une salle à Paris, ouais. Et ils lui ont dégoté le soir même. Le poste a été. À quelle heure ça a été posté? Je sais pas, à 18h52. Ouais, imagine, 18h52. Et ben, une heure après, la salle avait dégagé la place pour faire le show de Skrillex le soir même, avec des places vendues à 10 balles. Tu vois? Et donc, ça avait fait un bruit de ouf, parce que genre. T'avais Skrillex qui est tout là-haut, le mec, tu vois, vraiment, c'est l'espèce de DJ Snake américain, mais avec toute la puissance américaine. Et du coup, il y avait une file d'attente, mais de malade. J'y suis allé. Pourtant, à l'époque, j'avais cours le lendemain, j'ai pas réfléchi une seconde, j'ai appelé mon pote, on a pris la voiture, on s'est pointé là-bas. Mais attends, comment t'as réussi à avoir des places? Et ben, j'ai joué les jeux comme tout le monde, en fait, il y avait aucune prévente, tu vois, c'était sur place. 10 balles en plus, vraiment 10 balles, c'est rien quoi, tu vois, avec un gros line-up à côté, enfin c'était le truc de fou quoi. Je suis arrivé sur place, j'étais dans les premiers, j'ai eu de la chance, j'ai payé 10 balles et j'ai vu Skrillex, du coup, toute la une grosse partie de la nuit, le mec s'en battait les steaks, il venait dans la foule avec nous faire des pogos, etc., etc. Enfin, c'était mais prendre des photos, enfin, tu sens que le mec, il pèse tellement, tu sais, à un moment. Je pense que le mec n'est pas obligé de faire ça, tu vois. T'as un niveau, je pense que t'as la tête qui doit exploser. Mais juste s'amuser, quoi. Et le mec, c'était juste là, s'amuser, tu vois. Et du coup, le mec reste ultra simple et tout. Et c'est vraiment un bon gars. Enfin, en tout cas, il a l'air parce que je le connais pas. Toujours prêt à faire décoller les autres petits artistes. Ces sets sont vraiment hyper recherchés musicalement. Et voilà, donc il y a un parcours qui est quand même assez vraiment exceptionnel, je trouve. Ça mérite d'en parler. Et c'est bien qu'il ait combattu tous ces clichés-là tout le temps parce qu'il s'est fait vraiment cracher dessus. Parce qu'il a quand même montré qu'il y avait d'autres types de musique qui existaient. Et. Il n'a pas fait de burn-out ou de trucs comme ça, un peu à la Vichy, tu vois. Je sais pas. Puis tu vois, alors normalement, il va sortir un nouvel album en 2020, ça va être le premier du coup depuis, 2014, 6 ans. Mm-hmm. Donc je pense qu'à mon avis, c'est possible qu'il ait pris un peu ses distances tranquillou, justement pour éviter ce genre de burn-out. Mais il reste quand même actif et quand il bouge le petit doigt, généralement, ça fait bouger les choses. Le sait. Voilà. Ok, merci. Bah écoute, merci. On en a bien appris parce que j'avoue super que moi, chronique. Skrillex, bon, je connaissais. Tout le monde connaît de nom. Ouais. Quoi, tu vois. Alors savoir qui c'était et qu'il était, il venait de parents adoptifs qui étaient fans de Scientology. Ça déjà, je ne savais point. Donc merci pour toutes ces précisions. C'est quoi le son qu'il a fait avec Justin Bieber? Where are you now? Where are you now? Avec l'accent français. Yes. Ouais, exact.
Eh bien, je pense qu'on a le temps pour ma chronique plus les petites vidéos. Tu peux mettre Culture Geek, même si voilà, il y a qu'une petite, c'est même pas une Culture Geek, mais vas-y, mets quand même le jingle. Alors, je vais vous parler d'un truc qui maintenant me concerne plus trop. Pourquoi ? Parce que j'ai le pied dans le plâtre. C'est des chaussures. Mais je ne sais pas si vous savez, il y a le marathon. T'as le pied dans le plâtre, vraiment ? Vrai plâtre ? Ouais. Ah oui, non, ok, d'accord. Chaud. Mais t'as pas vu ? Si, je t'ai vu, mais je pensais que c'était une attelle, en fait. Ou un truc comme ça, non, mais bref, on s'en fout. Il y a le marathon de Paris qui est le 6 avril, si je bientôt, si je dis bien. Et il y a certains, évidemment, streamers qui, au Z-Event, ont dit « je vais le faire » et machin. Mais il y a un autre truc aussi qui s'est passé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que vous n'êtes pas forcément fan de marathon, mais c'est qu'il y a eu le premier homme sous la barre des 2 heures. Alors, ce n'était pas dans des conditions normales, mais voilà, 2 heures, c'est quand même la barre symbolique du marathon, comme 6 mètres 20, c'est la barre symbolique, par exemple, de la perche ou autre. Mais il y a eu aussi une polémique vis-à-vis de ce record et d'autres records qui ont été faits. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Ah non, mais ne me regarde pas. Non, ce n'était pas, pas en fonction du lieu ni rien. Il y avait du vent ? Non. Ah oui ? C'est un truc un peu tech. T'es en scooter ? Des nouvelles semelles, des nouvelles chaussures ? Ouais, c'est ça. C'est des chaussures, tu peux afficher l'image, j'ai mis dans le runner. C'est tout simplement ces chaussures-là. Genre. C'est des... Alors attendez, j'ai perdu Nike. Le nom parce que j'ai eu un... c'est des Nike... comment ils s'appellent ? Nike, c'est terrible. Marathon. Ils l'ont dans le chat. C'est Vaporfly, pardon. Next, et elle s'appelle Vaporfly Next 4%. Enfin, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en gros... Ils se vantent de dire tu vas gagner 4% de performance, sachant que 4% à très très haut niveau, oui, c'est énorme. Oui. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'il y a entre les semelles, il y a une semelle qui est faite, vous voyez, elle est assez haute, il y a une espèce de fibre de carbone, en gros, qui te permet d'avoir une espèce d'effet un peu de ressort d'impulsion, d'avoir une meilleure impulsion. Okay, et en gros, ils sont en train de... C'est un peu en pourparler, de dire est-ce que c'est du dopage technologique. Ah oui, mais c'est ça le truc. Il y avait eu déjà une histoire avec une combinaison en natation. Les combinaisons de manière générale. Ouais, mais il y avait une combinaison spéciale qui vraiment... Il y avait plein de records qui avaient été battus et la combinaison a été bannie parce que c'était vraiment trop fort. Quoi. Et d'ailleurs, il y a encore des records qui ont été faits avec cette combinaison. Qui n'ont pas été battus. Et en gros, il y a eu un peu une polémique avec cette basket. Alors, il faut savoir que c'est une basket quand même pour professionnels. Elle coûte genre dans les 300 balles. Ouais. C'est pas un truc... ça sert à rien de vous la prendre si vous êtes un jogger du dimanche. Si Max, quand il vient pour crash test, il hésite à se l'acheter. Du coup, il faut qu'il achète. Quoi, mais voilà, donc je trouvais ça intéressant parce que j'avoue qu'au niveau des chaussures... Enfin, pour une combinaison, pour tout ce qui est sport auto, bon, le sport auto, évidemment, c'est réglementé et ça fait partie du sport, etc. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, c'est vraiment la base de la base. Quand tu cours, tous les sports, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que tu puisses vraiment pimper à part tes chaussures. Et là, il y a quand même une vraie preuve scientifique et aussi pratique sur le terrain qui montre que ces chaussures, ça marche vraiment et ça permet d'améliorer les performances. Donc le flou, il y a un flou sur est-ce que, mais apparemment c'est quand même parti pour ne pas passer, c'est-à-dire être banni. Après GG à Nike parce qu'évidemment ça fait des émules parce que ça fait quand même... On se fait bannir nos chaussures parce qu'elles sont trop fortes, tu vois, ça fait un peu ça. Mais mes chaussures courent trop vite, les amis. La question se pose pour tous les sports où tu as un accessoire, en fait. Avec les décennies qui passent, les accessoires changent de matériaux, etc. Donc tu gagnes forcément en performance. Et du coup, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une législation pour s'arrêter ou brider l'évolution en fait technologique, tu vois, parce que du ou alors ça pose un matériel. Le problème, c'est que c'est difficile d'imposer un matériel comme des chaussures parce que... Il y a des mecs... Quoi, il y a les équipementiers derrière. Et apparemment, justement, il y avait aussi ce dernier point, c'est qu'il y avait certains... Il y a beaucoup de coureurs qui sont de renommée mondiale ou internationale, qui vivent de ça, qui ont des sponsors, des équipementiers. Donc quand t'as un équipementier, c'est par exemple Adidas, tu ne mets pas des Nike. Quoi. Ouais. Et certains coureurs se sont fait prendre la main dans le sac en courant avec des chaussures, du coup les Vaporfly, qui ont été repeintes. Non, ils sont forts. Repeinte pour que ce soit unique, on voit pas la marque.
mais ouais. C'était des Vaporfly quoi. Donc c'est plutôt ça veut dire que ça, enfin le mec va pas se faire chier à faire ça s'il y avait vraiment aucun boost quoi. Non, en fait tu mets ça à Usain Bolt qui fait après, qui gagne ses 4%. Le truc, c'est que c'est pas le. Il est à moins de 9 secondes quasiment. Des chaussures pointes sur la piste et tout. Là, c'est des chaussures de demi-fond. Demain, c'est un truc pour la route et tout. Parce qu'avec des pointes, de toute façon, tu as une meilleure accroche sur la piste, etc. Ça, c'est pas du tout le même le profil. Est-ce qu'ils peuvent pas intégrer la même technologie je dans ces chaussures mais voilà, c'est vrai que les chaussures sont pas du tout pareilles quand tu cours sur piste que quand tu cours en dehors d'une piste. Mais en tout cas, voilà, ça a fait un peu polémique. Je trouvais ça marrant de voir que, putain. La technologie va tellement loin que tu arrives maintenant à booster juste une foulée quoi, à ce point que ça s'en est visible quoi. Okay. Bref, on va se finir rapidement avec quelques petites vidéos. Tu peux mettre le jingle. Pain. Oui, alors on va voir ce. Est-ce que vous jouez, quelqu'un joue ici à League of Legends un petit peu? Absolument pas, mec. Ça joue pas, mais ici ça joue. Est-ce que vous avez. Rapidement. Est-ce que déjà, ça vous est déjà arrivé, genre, vous êtes tranquillement sur une lane, tout seul, et là, boum, il y a un Malphite qui sort du bush, ulti mort. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Bah, rien compris. Bah, non, mais c'est normal. Voilà, c'est. Okay. Je peux comprendre. C'est une lionne? Non, c'est un coyote. Je crois que c'est un coyote, ouais. Ou un chacal. Je crois que c'est un petit chacal. Non, mais à gauche. Il va se faire plumer. Ah, c'est un tigre. Non, mais à gauche, dans le bush, vous voyez. Ah ouais, il y a un truc qui épile, là. Je suis pas le seul à le voir, quoi. Ouais, non, je pense aussi. À gauche, dans le bush, il a dit. Il est en train de push la wave. C'est juste son pote. Ou alors, il va vraiment se faire graille. Non, Ça arrive, vous inquiétez pas, mais c'est la tension qui monte. Exactement. Enlève le pipe. Enlève la caméra. Oh mon dieu. Le gank. Oh mon dieu. Attends, comment ça. Mais c'est bon, il s'en sort. Je n'aurais pas montré des images où il se fait déchirer. C'était un câlin. Mais ouais, bah, vite fait, je pense. Hein. C'est quoi du coup, c'est un léopard genre, Ça a l'air d'être un léopard. Panthère et léopard, c'est la même. Oui, c'est ça. Non, en tout cas, il a l'air très déterminé à le bouffer quand même. Hein, parce que c'était peut-être. Alors, c'était peut-être juste une défense de territoire ou autre. Mais j'avoue que ça aurait été moi à la place du mec, du chacal. J'aurais été une petite merde. Ouais, voilà, t'es pas bien. Il est parti vomir après. On continue dans les animaux. Voilà, on était tranquillement en train de skier. Enfin, pas moi, mais. Et puis là, un animal assez impressionnant qui. Un grizzly. Non. Un faucon. Non. À quoi? Une dinde. Honnêtement, heureusement qu'il a touché personne, hein, parce que. Ouf. Un élan. Un élan, ouais. Un élan. C'est un élan. Mais gros, je crois. Ouais, il a sauté. Il que si te met une tête, t'es mort. Ah oui, c'est pas le mec. Il te tue de toute façon. Non, peut-être pas. Il a fait le slalom. Ça dépend quand même. Un caribou, oui, mais un. Enfin, oui, évidemment, ça dépend. Évidemment, s'il te met un coup de tête pile dans le truc de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il y a moyen que tu te ressors avec un truc fêlé. Souvent, les gens pensent que c'est des caribous, mais les caribous du Canada, en tout cas, sont beaucoup plus grands. Moi, je pensais aussi à un caribou. Ah non, mais un caribou, je sais pas quelle taille ça fait. T'en croises, mais. C'est aussi haut, c'est plus grand qu'un gros 4x4, quoi. Ah ouais, c'est ouf, oufissime. Le caribou, en général, s'il y a un accident, la bagnole, elle est. Ça fait pas. Allez, petite vidéo de fail en même temps. Lié, quoi. Le mec, il a la bibliothèque, il fait ça et c'est pas l'endroit, mon ami. C'est-à-dire Mais il a la bibliothèque, il fait un poirier. Il est con. Il va tomber. Bah oui, il va tomber. C'est une nouvelle façon d'apprendre. Ah. Oh la vache. Je sais pas de combien il est tombé. Ouais, juste de l'étage. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est mérité. Ah bah oui, voilà. Je crois qu'il a crié en silence. Il a fait un kebab et deux frites. T'as la meuf qui a côté. Chut. Les mecs. Et allez, on se termine par cette. On entend le petit bruit sourd qui fait mal. Est-ce que vous savez un peu imiter des bruits? Genre, par exemple, je sais pas, le bruit d'une casserole qui. C'est difficile pour une casserole. Non, mais est-ce que vous avez un. le vibreur du téléphone. Vas-y. C'est difficile. Attendez. Vibreur du téléphone. C'est à chier. Bah quoi? Tu m'as dit que j'ai imité un truc vraiment impressionnant. Parce que là, t'as fait. Tout fait. T'as pas dit impressionnant dans ta phrase. Allez, c'est pas grave, on va voir. Moi, je vais faire l'âne. Vas-y. Non, c'est pas l'âne. Non. Ok, allez. C'est la charge ici. C'est la ferme célébrité. Excusez-moi. Je m'en vais, je crois que c'est mieux. Cette personne imite le klaxon d'une moto. Vas-y, tu peux mettre. Bon, pessoal, esse aqui é o rapaz que eu acabei de conhecer no terminal. Ah, c'est un brésilien. O nome dele é. Buzina, lá do Sergipe. Por quê? Oh! Wow.
Pas mal, hein. Mieux que le de Zulu. Bousine. Wow. Donc il dit que c'est le klaxon d'une Jeep. Je te le traduis, okay. mais voilà. Ah, ok. Bah, merci à toi bah, pour cette traduction. Je vais faire le train aussi. Félicitations. Allez, il nous dégoûte. Pas si mal, pas si mal. C'est quoi? C'est le train. Écoute. Ok. Bon, on n'a plus le temps. Si vous voulez continuer de voir de la musique, hein, au final, oh, c'est merde. Tout de suite sur le stream. Dans la musique, il y aura Norman, je crois. Non. Il y aura Gastronogeek, Gauthier. Et je sais plus les noms. Dina, évidemment. Et Menro. Mais c'est qui le dernier? Olivier. Olivier, ah oui, Olivier, c'est ouais. La rof, Trophélos. Olivier, voilà, tout de suite dans la musique. Restez avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi. Max sera de retour. Et Zulu sera évidemment là. Et on retrouvera nos comparses vendredi. Bah, je pense John que vous quittez, moi, la semaine prochaine. J'ai passé un excellent moment cette semaine. Voilà, c'était merci très à bien. Tous. Merci. Et au revoir. Générique. Merci beaucoup. Jeu de lumière. Merci beaucoup.